Ça va mieux? Baruch Hashem, rien à voir. Même déjà hier, ça allait mieux. Mais bon, je me suis quand même reposé. Comment il va ton fils là-bas? Va. Ben, on a un problème parce que il devait se marier le 10 août. Maintenant, lui, il a pris un truc avec un traiteur et tout. Déjà, ils ont déjà perdu 25% du mariage. S'il attend encore un mois, il perd 50%. Il doit payer et tout. On ne sait pas quoi faire. Parce qu'on a eu une information que les Français, il ne faut pas aller jusqu'en décembre. Alors, est-ce qu'elle est vraie ou pas? Mais je dis à mon fils, il faut leur téléphoner. Et tu leur dis, voilà, c'est des conditions, elles sont comme ça. Si ça peut se faire le mois d'août, ça se fait. Sinon, vous nous reportez en décembre, je ne sais pas si c'est en décembre ou janvier. Parce qu'eux, ils ne veulent pas se marier sans les parents. Moi, je m'en fous, ils seraient mariés. Je dis, non, c'est pas vrai, je ne veux pas qu'ils restent comme ça. Mais, et donc, parce que si tu reportes, ils te gardent c'est l'avance que tu as fait. Parce qu'ils savent qu'il y a Je des reporte circonstances. l'année prochaine. Mais de toute façon, si, non, parce que j'ai vu un truc, je suis dit, là, à Roots, ils m'ont envoyé. Que sur la télévision Aroutz, ils ont dit que les Français sont interdits d'aller avant 2021. Non, c'est pas confirmé, on ne sait pas. C'est en Israël, rien n'est. Et ça peut changer. Mais le problème, c'est que tu as un contrat. Si tu as eu avant 4 mois, tu payes 25%. Si tu as eu avant 2 mois, tu payes 50%. Si tu as eu avant 1 mois, tu payes 75%. Mais si tu annules dès maintenant, entièrement, Je perds 25% bah vous déjà. l'arrêtez maintenant, alors. Ouais, mais lui il me dit eh, si ça peut se faire. Mais je Oh, dis. ne parie pas. Parce que je dis, non, je dis, tu peux faire. Tu Madame vois avec Charles, eux. il veut se marier seul, il n'a rien d'ami, il ne veut pas se marier Non, seul. je lui dis, tu fais avec eux un contrat par écrit, que si jamais il ne peut pas se marier en truc, il lui reporte en truc, mais en gardant l'argent, quoi. C'est-à-dire que c'est pas perdu. Tu comprends? Il me dit la salle est. Parce qu'il a pris une salle avec genre on voit une belle vue et tout pour l'été. Non, il m'a dit, elle n'est pas belle en hiver. Je dis, Oh, c'est pas grave ça. c'est comment ils sont. Mais les jeunes, c'est maintenant. Ouais, je sais, mais bon. Lui, il s'en fout, mais les calottes. Ouais. Elle est où dans sa cala, elle est d'où? C'est une Haddad. Haddad, allez. Shkoun. Comment s'appelle ça? Ils Dar sont pas. Oman. Non, 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 ils sont en France, sa famille. Léa, quel endroit ils habitaient à Dade? Marseille. Non, 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 banlieue de Paris. Et à Dade, ils sont à quel endroit? À quelle ville ils sont? Où? Ah oui, à Cachan, à Cachan. C'est quoi cette nouvelle, Adèle? Ce sont des bonnes nouvelles? Comment Ouais, ça va le faire maintenant? Hein? c'est très bien. Ça... Par contre, ton frère a venu à Baruch HaShem, il sort demain. Hein? Ah, c'est magnifique, magnifique. Moi, je t'ai dit, je lui parlais hier et j'étais tellement ému que. Il faut que j'arrête d'être émotionnel parce que je pleure chaque minute. Moi, j'arrête, hein. C'est même pas possible, hein. Hey. Tellement j'étais sa mère, Bémet, Baruch HaShem, c'était formidable, vraiment. Je dis comment, où il était, Baruch HaShem, Bémet, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a sauvés. Tout, c'est pas possible. Bon, Mashlomcha, Arshav, toi, Rabbeinu. Heureusement.
Très bien. Comme je veux bien, ce soir, je vais faire une nuit blanche. Non. Je suis dans le... Non. Alors, quelles sont les nouvelles, Youssef? Ton fils, il va se marier, lesquels? Il n'y en a plus qu'un. Ils sont tous, les deux sont tous mariés. Ah, c'est lui qui est en Israël, là-bas? Oui. Benjamin. Ah, quel kala qu'il va être. Quelle chance qu'il va y avoir, cette kala, là, c'est pas possible. Bon. C'est vrai. Non, je ne dis pas n'importe comment. Hein. Je le connais très bien. Baruch Hashem. Moi aussi. Allez, on y va. On commence. Ouais. Allez. J'ai oublié quelle page. Daf la mettrait à la Mishnah en bas de la page à Moutcheni. Désolé pour hier. Hein. Ah, mais, non, mais alors là, vraiment, moi, je dis, je te marque, mais normalement, aujourd'hui, tu dois te reposer encore. Mais aujourd'hui, tu dois te reposer, c'est vrai. Ah? C'est nous qui sommes désolés de. Que, non, pas du tout, bah, putain. Bref. J'ai rien à faire, tu rigoles, si je n'utilise pas, je fais quoi? Alors. Allez, la vérité, moi j'ai peur de reprendre. J'ai pas envie de reprendre parce que je ne pourrais pas étudier comme j'étudie maintenant. Au travail. Ah! Si je reprends, je. Ah, t'as pas envie finalement. Mais j'ai envie, je préfère étudier. Ouais, mais encore, tu n'as pas repris. Non, je reprends qu'après chaque fois, je prends. Avant. Ah, pas avant. Ok. Non. Ouais, quand mais de toute façon, Macron, il va te plier un peu. Mais t'as qu'une nouvelle Aïsato va me défendre. Bon, Macron, allez, il va te plier, Macron. On va commencer. Allez, on y va, on commence. Allez, Shabbat, Daf Lametret, Amoudbet, à la Mishnah. On a déjà fait la Mishnah, mais comme on a fait une journée de pause, alors on reprend la Mishnah. Matnitin. On peut pas mettre un œuf, là on parle pendant Shabbat même. Hein. On parle pendant Shabbat, on peut pas mettre un œuf à côté d'un meham qui est donc chaud bouillant pour permettre de que la bessa, que l'œuf, il soit un petit peu cuit, vous voyez, comme un œuf à la coque, vous voyez. On appelle ça titgalgel. Titgalgel, ça veut dire une slia mouaitet. Alors j'ai vu au nom de la Rabbeinu Perahia qui explique, comme ça va porter dans. Il rapporte au nom de Rabbeinu Perahia pourquoi on appelle ça mitgalgel. C'est rigolo. Il dit vous prenez un œuf, bon, quand vous le tournez, quand il est cru, il s'arrête rapidement. Mais quand il est cuit, un petit peu, il continue à tourner longtemps. Mitgalgel rond. Bon, comme ça, il écrit. Les Juifs, c'est mitgalgel. Deuxième djinn, le loyafkien. Donc pourquoi Bémet? Ça s'appelle que, on verra dans la Mishnah, dans la Gemara, on verra que selon une opinion, ça s'appelle une opinion. Selon le début de la Gemara, selon certains, la Kavala de la Gemara, c'est de la Mishnah, c'est de dire que c'est Hayav Hatat. C'est-à-dire, Sliya Al-Yede Hame Ha'ur. D'accord, on appelle ça Hame Ha'ur, ce qui a été chauffé par le feu. Donc le Koum-Koum. Toldot Ha'ur. Toldot Ha'ur. D'accord, alors ça s'appelle Mamash une. Comment le Hosh Kohesh. Toldot Ha'esh. Très bien. Ça, c'est le Shabbat, hein? Shabbat. Deuxième djinn. Lo yafkiena besudarin. Rashi explique lo yafkiena. Il a chanté le P comme le bet, boumaf, otiot boumaf, comme bakar. D'accord. Il ne doit pas éclater la coquille d'œuf de telle sorte à sortir l'œuf sur un soudar, un vêtement qui a été chauffé. D'accord. Qui est chaud. Lo yafkiena besudarin. Donc, on parle que le soudar lui-même, il est chaud par le soleil. D'accord, il n'a pas le droit de le faire et Rabbi aussi permet. D'accord. Il va le faire cuire comme ça. Il va le faire cuire. Il va cuire comme ça, ouais. Il y en a qui expliquent pas comme Rashi. D'ailleurs, ils disent que c'est plus machma comme ça dans la Messiout que comme ça le Arouch explique. Il y en a qui expliquent comme ça aussi le Rambam que en fait c'est le vêtement qui est chaud. Il prend le vêtement, il l'enveloppe autour de la coquille d'œuf. D'accord. Et comme ça, l'œuf est bien pris par le vêtement et c'est comme ça que ça cuit. Comme ça, l'œuf, il est pas. Comment ils expliquent? Yafkirin, ou comment ils expliquent? Milachon Pikua, le Pakaat. Pakaat, c'est la pelote, tu vois. Ah oui, d'accord. Et tu l'enroules tout un peu partout. Là, c'est le vêtement. Voilà. Ok. Lo yafkirina besudari. Verabi aussi, Matir. Velo yatminena behol ou beavak derachim, bijvil chetisle.
il n'a pas le droit de l'enfoncer dans du sable, ou bien à Vak Drachim, au fer des chemins, mais je vis chez Kislé, afin qu'elle cuise. Grille. D'accord, qu'elle grille. Alors, Tosfot disent, bien qu'on a vu dans ma sœur Baba Batra, que le hol, le sable, ce qui est froid le rafraîchit, ce qui est chaud le réchauffe. Ouais. Et si on parle qu'il va le faire cuire, donc c'est qu'il n'est pas cuit, à quoi ça sert de le mettre là-bas? Tosfot répond, Acha besa ikara, acha mayri behol shibuham behama, dumia de avak de rahim. Et si on parle que le hol est chauffé par le soleil, on est par exemple dans le désert du Sahara, ouais. Eh bien, le soleil réchauffe le hall, il met sa coquille d'œuf, son œuf avec la coquille à l'intérieur, et que ça réchauffe. Très bien. Doumia d'Avar de la Rime, au même titre que Avar de la Rime, on parle aussi que l'Avar de la Rime est réchauffé par le soleil. Là aussi, le hall, ce n'est pas le hall de la maison qui est couvert par un toit, mais le hall du dehors, d'accord, qui est chauffé par le soleil. Très bien. Ma, c'est Chassou, Anchet, Veriab, et Dieu, Silon, Chel, Sonen, et Tochama, Chel, Hamim. אמרו להן חכמים, אם בשבת כחמים שיוחמו בשבת ואסורים בלחיסה ובשתייה, אם ביום טוב כחמים שיוחמו ביום טוב ואסורים בלחיסה ומותרים בשתייה. Alors, il y a une histoire. Les gens de Tveria, ils ont construit un silon. Ouais. C'est comme en français aujourd'hui, on dit sillon, vous voyez. Sillon, si vous lisez le L, vous obtenez silon. Ouais. Comme famille, L. Une sorte de tuyau comme ça, qui, selon Rashi, on verra après Tosfot. Selon Rashi, cette canalisation-là tombait dans un creux, un trou, où il y avait dans ce trou-là Hamed Veria qui sont naturellement chaudes. D'accord ? Et ça permettait d'introduire de l'eau froide pour qu'elle tombe dans cette eau chaude-là et se réchauffe. Voilà le cas de figure. D'accord ? Quand Sylvain viendra, on a déjà montré tout à la dernière fois les schémas, donc on les revoit peut-être une deuxième fois. D'accord, donc dit le Tana, Maase Shasu Anchet Veria Beviu Silon Shel Sonen Letor Amma Shel Hamin. Amru Lahem Hachamim, Hachamim leur ont dit Im Be Shabbat, Kachamim Sheoham Be Shabbat. Si c'est Shabbat, de quoi c'est Shabbat, explique Rashi Otam Sheobao Be Shabbat, l'eau qui était introduite dans Shabbat, eh bien ça s'appelle de l'eau, est considérée comme de l'eau qui a été chauffée pendant Shabbat, et l'eau qui est chauffée pendant Shabbat. Leur dîme, c'est ni tu as le droit de te laver, ni tu as le droit de boire cette eau-là. Et si c'est Yom Tov, alors l'eau qui est chauffée pendant Yom Tov, Asurin et Birchissa, on n'a pas le droit de se laver avec, mais on aura le droit de les boire. Mutarin, Bishtia. Donc c'était une question d'Alaha ou quoi qu'ils m'ont posé ce massé. Je ne sais même pas si c'est une question. Les gens de Tveria, ils se sont permis. Quand Rachamim ont vu ça, ils se sont opposés. Comment ils ont réagi à chez Tveria à ça? Ah, d'accord. Tosfot, Maase veviu silon shel sonen, letor hama shel hamin. Tosfot dit, mi be'od yom. Ce maase-là, il était fait pendant le jour, pas pendant Shabbat. Ce n'est pas qu'ils orientaient le silon, pas pendant Shabbat. D'accord ? Bon, quelqu'un qui en irait, c'est un problème parce qu'ils sont en train de réchauffer pendant Shabbat. Donc, on parle de Libérodium et Viu, qui est des pièges de contraste. Mais tu vas me dire, alors, il n'y a aucun problème si juste tu as tout fait avant Shabbat. Ma Baya. D'accord ? Or, on a vu, dans Dafut Het, on a vu Potrin Maim Legina, on met Malet Voler et Kola Shabbat Kula. Alors, pourquoi c'est interdit ? Tosfot dit. On a interdit de se laver de peur que tu fasses le mélange pendant Shabbat. Pourquoi ça serait interdit? Les arrêts pendant Shabbat, Hamed Veria, ils sont réchauffés par le soleil. Il n'y a pas de cuisson par le soleil. Il n'y a pas le issour de cuisson par le soleil. Voilà comment on verra par la suite. Ouais. Alors, dis Tosfot. J'interdis avant Shabbat à cause de Shabbat. Et même si c'est Shabbat, l'interdit, c'est à cause de
Toldot Aour. Ouais, Toldot Aour. Répond Tosfot, Vechashiva Kechada Gezera. Ça s'appelle comme une seule Gzera. C'est-à-dire, bien qu'a priori c'est Gzera l'Gzera, il faut le Dohak ici d'expliquer que ça s'appelle Hada Gzera. Comme ça ne leur plaît pas beaucoup à Tosfot, ils vont proposer un autre pirouche qui ressemble un petit peu à celui-là. Comment? Dans le silon, il y a des trous, d'accord? Ce silon-là qui contient de l'eau, et il y a des trous. Et les trous, ils sont face au bassin, qui sont naturellement chauds. Hamed Veria. Quand ils se lavaient Shabbat, ils ouvraient les trous. Et donc, l'eau froide se mélangeait avec l'eau chaude, comme il t'a vu, la sonnée de Hamin. Ah ouais, Tishapir. Selon ça, ça irait bien. Ah ouais, Tishapir quoi? Ah ouais, Tishapir, tu fais d'acheter le Kaila Hadakzera à tout Hamé Aour. Quoi? Dans ce cas-là, il n'y aurait qu'un seul problème. Je t'interdis de l'eau froide, tu la réchauffes avec le Hamé de Veria qui, elle, est. Toldot Hama, ouais, à cause de Toldot Aour, il y a une seule Xera. Donc, quelqu'un a un seul problème, et donc je comprends pourquoi c'est interdit. Il n'y a pas besoin du site du Dohak de la Chi, qu'on a dû dire dans, selon la Chi, que c'est Xera, l'Xera. Auquel cas, pourquoi Toldot il n'a pas expliqué même le début, Miber Odium? Est-ce que quand Toldot ils ont dit Miber Odium, c'est parce que Rachid l'a expliqué comme ça, ou il y a besoin d'un Echler? On dirait que c'est Rachid qui explique comme ça, parce que le cas qu'ils sont en train de proposer Toldot, Bémet, c'est un cas de. Pas mis bien au job, c'est pendant Shabbat qu'il y aura le mélange. Mais tout le monde est d'accord que c'est. Peut-être le silon, ils l'ont placé, mis bien au job, c'est ça la Kavana. Le silon lui-même, ils l'ont placé. C'est sûr que non, mais sinon, il y a un problème de bonnet ou je ne sais pas. Le silon, c'est sûr qu'ils l'ont, préparé, mis bien au job. C'est ça la Kavana, tout saute au début alors. Ok. Ah, Bigmara, Medame la le Atmana mi be'od yom. Est-ce qu'ils veulent Tosfot? Tosfot, ils veulent dire le deuxième pirouche que je t'ai rapporté, il a un dohak. C'est quoi le dohak qu'il a? C'est que la Gemara, on verra plus tard qu'elle va comparer ça à une Atmana. Or, chez nous, il y a mi be'od yom, pardon, Atmana mi be'od yom. Or, ici, ce n'est pas mi be'od yom, c'est pendant Shabbat. Même si tu considères l'eau froide qui pénètre dans l'eau chaude comme une Atmana, Gamzel au Kolkar Pachout, avant la Gemara va le dire. On verra après tout ce qu'il va dire au nom de Rie. Alors, ce soit disent, comme la Gemara plus tard, elle va dire que ça s'appelle une Atmana Miberodjom, ça ne marche pas avec le deuxième pirouche. Par contre, avec le premier pirouche, encore ça marche. Point. Donc, ce soit, ils ont repoussé le deuxième pirouche, mais ils ont gardé pour le moment le premier pirouche. D'accord? Maintenant, Ulri Nira, qu'est-ce qu'il va faire ce soir? C'est Ri, il n'aime pas beaucoup le premier pirouche. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est bizarre de considérer une eau qui se mélange à une autre eau, une Atmana. Ça s'appelle une Atmana. Ça s'appelle un bichoul, si tu veux. C'est l'Atmana. D'accord? C'est ça la ta'ala de Ri. Ulri Nira, Demash Yayomit Arvin Sonen Behamin, Lo Awadem il Atmana. Veleka Lemilaf Mina. Tu ne peux pas apprendre de lui, ah, voilà, je vois de là que ça s'appelle Atmana. Pourquoi? Je peux te dire pourquoi c'est interdit. Parce qu'il y a une cuisson de l'eau froide. Donc tu ne peux pas apprendre de là, ah, Atmana, c'est Biberodium, c'est un problème. Mais c'est pas Atmana, c'est un bichou. Venir à l'eau, des silon, l'eau a yamitaler. Donc, Ri, maintenant, il va proposer un autre pirouche. C'est quoi le pirouche qu'il propose? Il va dire que le silon, le tuyau, il pénètre, comme on a vu du schéma une fois, vous voyez, on a le bac, le Hamed Veria, et à l'intérieur pénètre une canalisation entièrement fermée d'eau froide, amenée d'ailleurs, d'un bassin quelconque. Quand ça va passer à côté dans le bassin qui est chaud, l'eau froide va se réchauffer. Et quand elle va sortir, on va bénéficier de cette eau-là chaude. Ce sera une eau chaude. Donc ça correspond bien effectivement à une Atmana. Ça ressemble beaucoup plus à une Atmana. De là, on pourra se poser la question. Nos amis, les Marocains, ouais,
quand ils font la daf, ils prennent le riz, ils le mettent dans un sac et ils le mettent à l'intérieur de, je sais pas, est-ce que ça s'appelle pas une atmana? Alors il y a des chélotes qui en découlent. Hein. En tout cas, ça c'est l'explication de riz. Regardez dans les mots, venir à l'eau. Desilon lo haya mitarev behamin ki haya mukaf mechisot mikol sad vayu mithamemim amayim sonenim shibasilon mehamat hamet veria velo hayu rohasin behamet veria asman. Ils ne se lavaient pas dans hamet veria eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont une mauvaise odeur. Donc ils utilisaient uniquement la chaleur de hamet veria. Vashta damyalat mana. Et là, effectivement, ça ressemble bien à une atmana. L'atmana, chez même son nom, il y a un atmanim betoch hahamin, le ithamem. Donc, c'est-à-dire que le selon, c'est à l'intérieur de l'eau chaude. Un tuyau. Tuyau à l'intérieur. Dans un bassin d'eau chaude. Voilà. Et donc, cela, elle est considérée comme atmana. La question qu'on peut se poser selon riz, mais finalement l'eau elle sort. Pourquoi la Torah elle parlait du riz là, de la daf marocaine, c'est vrai, la question de riz, oui. Ouais. Alors, en fait, selon riz. Comment on comprend que quand la Gemara va dire que ça s'appelle Atmanam Bedavar Mosif et Miberodium? Alors l'eau qui va venir, Miberodium, elle va sortir après. Selon Rashi, que l'eau qui arrive, Miberodium, elle va rester dans le bassin, une sorte d'Atmana. Ok, ça s'appelle Atmanam Miberodium, mais c'est là l'eau, elle va sortir. Bon, je vais en tout cas, de toute façon, il a l'air de poser une question qui ressemble à ça. Soit les chanim disent, ve'ad yachashiv la kehamin shiwacham ou beshabbat. Non, pardon, c'est pas ça, on dirait. Kehamin shiwacham ou beshabbat, masmatfe kipiru shishon. On va voir c'est quoi sa kavana. Bon, ok, on fait la Gemara. Gemara, Ibayaleo. Gilgel Mai. Mais quand est-ce que je voulais dire, c'est quoi? Quand la Mishnah a dit Imbe Shabbat, Kahamin Shiuhamu Be Shabbat, donc on parle de. C'est ce qu'il a dit, c'est que l'eau elle a été chauffée Shabbat. C'est pas Atmana. Kahamin Shiuhamu. La chaîne de la Mishnah. Kahamin Shiuhamu Be Shabbat. Ouais. Donc on dit que c'est l'eau qui a été chauffée Shabbat, pendant Shabbat. Et donc c'est pas. Atmana, c'est que tu... Mais la Gemara va parler d'Atmana, c'est ce que tu lui veux. La Gemara elle-même, elle va parler d'Atmana. Non, mais quand tu dis la Gemara, tu vas dire qu'on va considérer ça. C'est vrai que dans cette sugya-là, il y aura quelque chose de flou. Parfois, on va parler de Bishul, parfois, on va parler d'Atmana, Bidavar, Shemosif, Eve, Mibarodjom. Mais la Gemara elle-même, elle va dire ça. Dans la Métet à Mouchini, elle dira... Mais pourquoi la Mishnah a besoin de dire Kahamin Shohamu? Parce que, Béchabat. Elle veut dire, c'est parce que c'est Mosif, Eve, même si Mibarodjom, c'est interdit. Question. Comment c'est ce qu'il a, c'est parce qu'il a voulu dire, lui, il a dit que la Mishnah montre que c'est Hamin Shemahamou Beshabbat. Comment il a voilà. Il a dit le lachon de la Mishnah, elle semble aller montrer que c'est pas un problème de Mishnah, c'est chauffé pendant Shabbat. C'est pas... Mais ça, c'est encore une fois, je répète, c'est pas une question contre riz, c'est une question sur la Gemara. La Gemara, ouais. Regarde dans la flamme tête à moi. Oui, alors, qu'est-ce que tu lui veux? Mima, c'est Chatou, Anchit Veria, Vassilou, la banane. Bat la atmana bedavar amosif ev lo afilu miberodjom. Aïe. Quoi? Ça veut dire qu'il y a aussi un problème de atmana. Il y a aussi un problème de atmana miberodjom. Pourquoi on considère ça sur ham ou bishabbat? À mon avis, parce que si l'eau elle est restée, c'est l'eau qui rentre dans le tuyau, il reste là-bas, c'est cette eau qu'elle reste, donc c'est atmana. Mais par contre, si il sort, à un moment donné, il y a de l'eau froide, le Shabbat froid, ils vont en train d'être chauffés le Shabbat. Donc c'est bien, très bien. Donc ça s'appelle le Hamou Bishabbat. C'est pour cette raison, Hamou Bishabbat. Parce qu'ils sortent. Okay. L'eau, ils se transforment. Mais nous, on voulait comprendre, Toswati Shani.
Bon, laissons-le, il faut le Voilà. travailler. Gemara, Iba Yaleu, Gilgel Mai. S'il a été Megalgel, quel est le djinn? Ça veut dire, on revient au premier djinn de la Mishnah. En otin besa besa d'amecham, bijushit galgel. Et s'il l'a fait, quel est le djinn? Alors, quelle est la question de la Gemara? Deux manières d'expliquer. Dans les Rishonim, il y en a qui expliquent quel est le djinn si maintenant, comme c'est une cuisson qui est légère, est-ce que c'est les hayav ou c'est pas hayav? Cette cuisson légère, d'accord? Cette cuisson légère. Donc ça, c'est une façon d'expliquer. Une deuxième façon d'expliquer, c'est est-ce que toldot ha'our, on est hayav ou pas? D'accord? Parce que là, ici, on utilise la chaleur du meham. Est-ce qu'on est hayav si on l'a fait ou pas? Donc, deux façons d'expliquer. C'est Mahlok et Rishonim, comment on l'explique? Amar, Yosef, Gilgel, hayav, hatat. Rav Yosef répond, il est Hayab Hatat, il a fait ça pendant le Shabbat. Amar Mor Brederavina, Afanam Amitanina. Même nous, on a une Mishnah qui nous apprend cette idée-là. D'accord? C'est quoi la Mishnah? Kol Sheba Behamin Milifne Shabbat. Kol Sheba Behamin Milifne Shabbat. Toute chose qui a déjà été cuite avant le Shabbat. Rachid dit, Kol Bash Kol Sheba Behamin, Kol Malouar Sheba Behamin Melef Shabbat. Comme le malouh a déjà été cuit quand il a été mis déjà dans le hamin à Erev Shabbat, tu peux le remettre dans le hamin, il n'y aura pas une avancée dans sa cuisson. D'accord? On parlera longuement de ça, Bezat Hashem, dans Daf Kouf Memhe, un peu plus tard. Beaucoup plus tard même. Ouais. Kol Sheba Behamin Milifne Shabbat, on peut le tremper Behamin Beshabbat. Le Kol Sheba Behamin Milifne Shabbat, mais toute chose qui n'a pas été l'Oba Behamin, on ne l'a pas mis dans l'eau chaude avant Shabbat, eh bien, on peut verser de l'eau chaude sur lui. Madjihim Oto Behamin Beshabbat. D'accord, c'est cru, quoi. On peut être Madjih Behamin Beshabbat. Chos Minam Aliyah Yashan Bekulies Aispanin. À part deux choses, quoi? Maliyah Yashan. D'accord, ça, c'est la Sugya du Talé Bishoul. Malia Hayashan, un poisson par exemple salé, mais depuis longtemps, que lui, juste la dacha suffit pour le rendre prêt à la consommation. Verkulias Aispanin, Kulias Aispanin, Rashi explique, c'est un dac qu'on appelle tonina, ça a l'air d'être le ton. D'accord? Shadahatan, Zo Igmar Melachtan, Shmamina. Alors, qu'est-ce qu'on voit de cette Mishnah-là? On voit que ces Kaleh Bishoul-là, Maliyah Yashan, Kulias Aispanin, Adahatan Igmar Melachtan. Alors, comment il faut comprendre? Selon les Rishonim qui ont compris que Hameahur, Toldot Ahur, on est Hayav. Ici, l'eau chaude, c'est Toldot Ahur. Ouais. On voit là que puisqu'on l'appelait ça Gmar Melachtan, ça veut dire qu'on est Hayav. Gmar Melachtan, ça veut dire Zeb Bishulo. Ça s'appelle Hayav. Donc on voit ici qu'il est Hayav Hatat. Selon ceux qui expliquent que la Kavana, le rite, quoi, il explique que la Kavana de la Gmara en haut, c'est-à-dire même s'il y a un petit Bishul qui nous permet déjà de le consommer, la Kavana de la Gmara ici, quand on dit Gmar Melachtan, c'est lave d'afta, une gmar complètement. Gmar m'lachtan, la kavana, c'est consommable maintenant. D'accord? Et donc, on voit bien de là qu'il est hayav. Dès l'instant, il arrive à. Ouais, moi, c'est pas trop. Alors, c'était quoi moi, je ne voulais pas interrompre. La question au départ. C'est quoi la question des paroles? Elle dit la Mishnah, elle dit Gilgel, l'eau est Galgel, la dame est ça, je ne sais pas. Et si les Megalgel m'a dit Chelo? Bon, ok, ça c'est la question, mais c'est bien. Mais alors, il y a une autre explication, c'est quoi, la question? Ouais, mais c'est quoi la question, m'a dit Chelo? C'est quoi le problème? C'est quoi la Chela? C'est vrai, c'est quoi la Chela? Ok, on a compris. Question, c'est quoi le djinn? Réponse, Hayaf Hazad. Mais c'est quoi la Chela de départ? Deux façons d'expliquer. Ou bien, parce qu'ici, tu utilises Toldot Ahur, Ma'adin Shel Toldot Ahur, réponse Hayab Hatat. Ou bien, comme c'est un Bishul Kal que tu as fait, Ma'adin Shel Bishul Kal, est-ce que tu es Hayab ou pas? Réponse, oui, tu es Hayab Hatat. Ok,
Ah, c'est le tzadim de lâcher là, quoi. Ouais. Ok. Ok. Point. Shmarmina. En effet. Tosfot soulève ici un problème. Ils disent Kol Shabbat les Bechamim ils finissent Shabbat. Pirush shenit bashel le gamre. כדי מפרש לקמן בפרק חבית כגון תרנגול תרבי אבא, שואלים אותו בחמין אפילו בכלי ראשון. כשוט כי הייתה עוד שירמוקי הערב שבת, alors on peut, même pendant שבת, on le tromper dans un ustensile qui est כלי ראשון. D'accord? Plus tard, la Gemara va expliquer comme ça, dit Tosfot. On verra quand on arrivera là-bas. Par contre, וכל שלא בא וכולי, tout ce qui n'a pas été cuit, charmant, Madjihinoto, on peut lui verser Mikli Rishon. Madjihinoto, on peut lui verser. C'est ce qui est écrit. Le rincer. Alors, dit Tosfot, les Pirush Rashba, il faut dire plutôt Rashbam, d'Infarej de Aïrui qui clicheni à Tishapir. Il y a une mahloket dans les Rishonim, et dans 3-4 endroits dans les Tosfotim, on verra dans Daf Membet, je crois. On verra, il y a aussi un Tosfot dans Masechet Avodah Zarah à la fin, il y a un Tosfot aussi dans Masechet Zvachim. 3-4 endroits dans le chasse, soit il développe ce sujet-là. Quel est le djinn de Eirui Kli Rishon? Est-ce que c'est Kli Sheni? Ou Kli Rishon? Ou est-ce que c'est Kli Rishon? Et Tosfot, finalement, il est Makhriya, dans un des Tosfotim, il est Makhriya, que c'est ni comme l'un ni comme l'autre. Il est Mevashet que Kede Klipa. C'est tout. D'accord. Mais Rabbi Noudam, lui, pense que c'est Kli Rishon. Eirui Kli Rishon, Kli Rishon. Rajbam, il pense que c'est Kli Sheni. Donc, Eirui Kli Rishon, c'est Kli Sheni, ça va, c'est pas un problème ici. Tu as ton poisson, ton thon là, tu le mets, tu verses du Eirui Kli Rishon, ça s'appelle Kli Sheni, c'est pourquoi il n'y a aucun problème. C'est l'homme est vaché. Kli Rishon est vaché, Kli Sheni, l'homme est vaché. Alors, dis-toi, soit les pirouches, Rajbam, des farèges d'Eirui Kli Sheni, à Tishapir, à Tradin, Sholinoto, mais Kli Rishon, à Valmadihinoto. Je comprends pourquoi on ne doit pas le tremper dans le Kli Rishon, mais on peut lui verser le Kli Rishon. Ok? Aval et Pirush Rabbeinu Tam, Demfarej Eirui avec Kli Rishon, selon Rabbeinu Tam, que lui dit que Eirui Kli Rishon, c'est Kli Rishon, obligé d'expliquer le Madihin chez nous. Comment? Madihin Kli Sheni. Ok, Vemken Maïria Madihin, Afilo Sharinami. Et si c'est comme ça, pourquoi tu me dis Madihin? On peut faire Eirui Kli Sheni, mais même le tremper dans Kli Sheni, tu peux. Couche, j'ai un contre Chitat Rabbenuta. Vomeri, de Afilo Bekli Sheni, en Sharin, de Oil, de Amaim, Hamim, Yazek, en Vachel, Rafagar, de Tnan, le Kaman, Aval, Noten, le Tok, Akara, ou le Tok, Katemho, et Inodab, Katemil, Kalin, Chen, Asin, Matek, Tadara, Velom, Yazek, en Vachel. Pourquoi? Soit tu dis, Ri répond pour défendre la Benoutam. Tu sais pourquoi on ne peut quand même pas le mettre dans un cliché ni parce que Nir Ekem Bachel. Fais le cliché ni. Ah, tu vas me dire, mais plus tard on verra qu'on peut mettre des épices dans le cliché ni. Oui. Il dit là-bas, Valnoten, regardez dans ce spot. Ah, Fagav, vous êtes un lekaman, Valnoten, les tochakara ou les tochatam houy. Oui, Aïnoudav kat valin. Là-bas, on parle d'épices. Ouais, que ce n'est pas chez En Asouin le Mater. On voit que c'est pour adoucir, pour donner du goût. Mais pas, ça, on ne voit pas que c'est merdé qui me va chez. Inami, deuxième réponse. Oadin Sholinoto, qui va en derrière les Beklisheni. Oadin Akat Madihin, Ashmoinan, Dafilo Adaha, avec Mablachtan, Lacha, Bemalia, Hashem, Kulia, Saispani. C'est son Mahachim. Enachanami, tu peux même. Tu ne peux pas non plus être choré, biklisheni. Tu sais pourquoi je te dis madir, biklisheni? Pour t'apprendre que même adaha biklisheni, aïroui klisheni, c'est gomel m'larto. Zé asur. Même aïroui klisheni, c'est un problème. Ah. Pourquoi? Parce que ce sont des kalebichoul. Ouais. Le ton, aïroui klisheni, ça cuit. Le malia hayashani cuit. Mais Manu. Fin de la soulière. Après, Manu. Écoute. Après, dans la soulière, on va voir que même avec les braises, c'est interdit de recouvrir avec les braises, mais même avec du sable, c'est interdit de recouvrir avec le sable. Pourquoi? Parce que ça ressemble comme si c'était du truc.
du sable, comme si c'était des braises. C'est pour ça qu'on a interdit. Et après, ils vont dire... C'est selon une opinion. C'est celle de là-bas. On parle selon la Bible aussi. On verra ça un peu plus tard. Pourquoi? Parce que tu as dit, c'est comme ça ressemble. Et oui, qu'il finit comme ça. On va croire qu'il le fait cuire. Alors, c'est pour ça qu'on interdit aussi le... Non, mais là, ce n'est pas ce que j'ai dit. Aïrui, que les chéniers, on ne croit pas. C'est Shorin Biklisheni. Selon Henri, une des réponses pour défendre la Belouta, Shorin Biklisheni nire ekem vachem. Shria. Shria, c'est ta ustensile qui est Klisheni, tu mets dedans. Ce n'est pas tu verses du Klisheni vert. Très bien. On continue la Sugia. Velo Yafkiaen Abesudarin. Vous êtes avec moi? Oui. Très bien. On a vu dans la Mishnah qu'on ne peut pas donc éclater une coquille d'œuf sur un vêtement selon Rashi. Demande à Gmara, donc on a vu dans la Mishnah que Hachamim interdisent de casser l'œuf sur le vêtement parce qu'ils interdisent toldot hama. Rabbi aussi m'attire parce que Rabbi aussi permet toldot hama. D'accord. Super, c'est pas work à tabrik comme le work à tabrik. Quoi? Comment on fait les briques à l'œuf? Oui, non, mais j'ai compris. C'est qu'est-ce qui ressemble à quoi? Le soudar, le soudar. Ah, ok, un achenamé. C'est ça. Un achenamé. Hey. Oui, mais bon, il va pas manger le vêtement. Oui, non, parce que il me semble un peu bizarre. Avec une serviette, tu peux... Mais qu'est-ce que oui. t'as répondu? Non, j'ai rien répondu. Non. Alors, Notnin est le bonhomme, tu veux qu'il est dans le désert. Il préfère mettre la coquille d'œuf sur le vêtement plutôt que... Au sable. Bah oui. Alors, demande une Mishnah qui nous dit comme ça, Notnin tafshil et tochabor. On met un tafshil dans un puits. Pourquoi? Pour qu'il se rafraîchisse. Bishvil shiye shamour. On verra plus tard c'est quoi les hidushim de la Mishnah. D'accord, c'est pas du tout notre sugya. Ça, c'est une Mishnah qui est rapportée dans Daf Kuf Memoir. Donc, on a le temps. D'accord. Notin tefshil et tochabor bishvil shiyesh shamur. Tu peux aussi prendre maïm yafim, de l'eau, une belle eau, une cruche qui a une bonne eau. Tu les mets dans de l'eau froide qui est sale. D'accord, c'est pas grave, mais elle est froide, elle est fraîche. Ça permettra de rafraîchir ton eau à toi. On a le droit de le faire. On verra plus tard quel est le chidouche, ça, si bien il y a un chidouche. Ouais, t'as sonné le Bahama. Oh, on a le droit de prendre de l'eau froide et on la met devant le soleil afin qu'elle se réchauffe. Mais je vais chez Hamou. Mais ça, c'est, ça s'appelle Toldot Hama, ça. Le Tana, la Mishnah là-bas l'a permis. Doit-on dire que le Tana de la Mishnah, c'est la Biosé par la Banane, que Hakamim chez nous, on a vu qu'ils ont interdit Toldot Hama. Amar Abnahmad. Hama, tout le monde est d'accord que c'est permis. Directement par le soleil, tout le monde permet. Même Hachamim permet. Tout le monde est d'accord que si la chose a été réchauffée par le feu, d'accord, t'as le feu réchauffe quelque chose. Donc on appelle ça Toldot Taour et cette chose-là, maintenant, elle réchauffe ton œuf. Alors, tout le monde est d'accord, même Rabbi aussi est d'accord que c'est interdit. Kipliri, leur mahlok atele, betoldot hama. Quand c'est un vêtement qui est chauffé par le soleil, on peut le confondre avec un vêtement chauffé par une plaque chauffante, par du feu. D'accord? Donc, comme on peut confondre Rabbi aussi, Rabbi Hachamim, son gozrim, et Rabbi aussi n'est pas gozer. Mol savar gazrinan, toldot hamatur, toldot aur. Ça, c'est qui? C'est Hachamim. Ou mol savar, la gazrinan, il pense qu'il n'y a pas lieu de décréter. C'est-à-dire que maintenant, toldot hamel va être plus hamur que hamel elle-même. Exactement. Parce que hama, esh, on ne confond pas. Toldot, l'un, l'autre, on confond. Bon, bizarre. Okay. Non, c'est bizarre. Oui. Alors, Mande Hazé, ça va, pourquoi? Mande Hazé, Rachid dit Mande Hazé, ça va, des toldot aur nino.
Ok. Prochaine Gemara. Velo yet minena behol. On a vu que dans la Mishnah, on a rapporté un din, mais cette fois-ci, Rabbi aussi n'a pas été holé. On n'a pas le droit d'enfoncer l'œuf dans du hol, du sable. D'accord? Demande à Gemara, veli flog nami Rabbi aussi bea. Avec le sable, il est réchauffé par le soleil, c'est toldot. Hama. Hama. Et toldot Hama, Rabbi aussi. Il est pas cher. Pourquoi ici, il ne permet pas Rabbi aussi? Demande à Gemara, veli flog nami Rabbi aussi bea. Alors, à cette question-là, il y aura deux réponses. Bémet, Rabbi aussi l'interdit, mais Rabba et Rabbi Yosef, ils sont holkim, c'est quoi la raison? Rabba, Margzera, Shema, Yatmin, Beremes. Selon Rabba, Margzera, l'interdit Rabbi aussi, parce que j'ai peur chez Yatmin, Beremes, qu'ils viennent à enfouir dans des braises. Explique Rashi. Alors, ici, il y a une discussion dans les Lishonim, comment il faut comprendre. Rashi explique de la même manière que toi, ici, tu as du sable. Et tu es en train d'enfuir, tu enfuis ton œuf. Ouais. Ça chauffe, ça cuire. Ouais. Alors le bonhomme a dit, mais quelle différence? Le sable avec des... Des cendres. Des cendres, il y a des braises là-bas. J'enfuis. Ouais. Alors, ici, ça c'est hêche et ça c'est pas hêche. Mais ça cuit dans les deux. Donc, on dirait pas que c'est une histoire... de Atmana connu. La Atmana connue, selon Rashi en tout cas. D'accord? Pas tout le monde d'accord avec Rashi. Rashi, regardez dans ses mots ce qu'il dit. Shema yatmin beremes deman de hazi savar mikde aile bachoule ve aile bachoule. Puisque les deux que je l'enfuis sous le sable ou dans le remes, les deux c'est une cuisson. Ouais, mali remes, mali hol. Quelle différence entre l'un et l'autre? Mishumachi modé Rabbi aussi. Voilà pourquoi Rabbi aussi permet. D'accord, il y en a qui expliquent la Xera chez Mayatim Beremes comme toute Atmana qu'on a interdit. Maïn Aftamina, on dirait qu'il peut y avoir une Aftamina. C'est pour ça Rabbi aussi permet. Hein? C'est pour ça Rabbi aussi permet. Interdit. C'est pourquoi Rabbi aussi l'interdit. D'accord. Voilà. Je vous pose une question. Quel est le din s'il est Matmin avant la tombée de la nuit? Avant Shabbat, il est matmin. Moutar, Assour, il le récupère pendant Shabbat. Oh. Alors, il y en a qui disent que comme ça, c'est un dîme de Atmana, Bedavar, Amosif, Evel, comme Remez, ça s'interdit à Philo, Erev, Shabbat. Il y en a qui disent non, parce que l'Atmana, elle provient du quoi? Du sable. Le sable, il est chaud que parce qu'il y a le soleil. Mais quand tu vas vers la nuit, ouais, le soleil faiblit, ça refroidit, ça chauffe plus, et c'est plus Amosif, Evel, donc ça t'indique que Shabbat, pas avant Shabbat. Il n'y a pas les hâtés. On va dire Ramban, ouais. Non, même s'il n'y a pas Yahate ici, est-ce qu'on est recherche à cause de Mine mais le hol, il est là-dessus. Dis-moi, le hol, il n'est pas considéré comme les matières qui sont aussi faibles? Ils sont, oui. C'est, on verra ça plus tard que c'est considéré comme des matières. Ça, c'est le hol. Mais ici, en l'occurrence, le hol, ce qui est chaud réchauffe et ce qui est froid réchauffe. Je ne sais pas, Moshe, ils disent « Elmat minim bahol », ça fait partie des matières. Hein, ok, bon, on verra ça plus tard. Donc, le Roche, il rapporte ça. Ah, donc, « Zera shema yatmin berem »« Rav Yosef amal mi pene shemeziz afar mi mekomo » Rav Yosef, il dit le problème, pourquoi Rabbi aussi, il est d'accord ici que c'est interdit? Parce qu'il déplace afar mi mekomo. Rashi, comment il explique? « Mi pene shemeziz afar mi mekomo » Rashi, d'abord, il est goles, Shema Yaziz Afar, Shema. Nous, dans le chant de la Gemara, on dirait Wadai, Mipene Shemeziz. Bon, Rashi, le goles, Shema Yaziz Afar. Rashi dit, Shema lo yehe sham chol akor, le chol asorech. Peut-être, il ne va pas avoir du sable qui est détaché, ce qu'il a besoin pour enfuir son œuf. Et donc, Vatir Azuze Afar Adavouk, il va venir à déplacer du afar collé, ça veut dire en bloc, et donc il y aura un problème de Hofer Gouma. Vous avez compris c'est quoi le problème selon Rashi? C'est quoi Shema Yaziz Afar? Peut-être Yaziz Afar, il n'aura pas assez de sable pour enfouir son œuf, et il va donc être, il n'y a pas de sable
du sable, comment dire, frité, ouais, qui n'est pas collé. Meuble, on dirait. D'accord. Meuble. Et il va donc ou bien prendre du sable d'ailleurs, gratter du sol d'ailleurs pour enfuir, ou bien même le sol d'ici, peut-être qu'il va l'enfuir. Je ne sais pas comment il faut expliquer, ou comme ça, pour le moment, je ne sais pas. Et ça, c'est un problème de Hofer Gouma. Il y aura un problème de tu es en train de faire un creux pendant Shabbat. Voilà le problème selon Rav Yosef. Pourquoi Rabbi aussi il est d'accord? Il est d'accord qu'il est assourd. Il est d'accord qu'il est assourd. Oui. Oui. Alors dans ce cas-là, on va interdire Atmana à cause de ça. Est-ce qu'on peut dire ça? On va interdire Atmana parce que si tu le permets Atmana, il risque de faire Behol, Vemesis, etc. Ça, c'est peut-être, ça s'appelle Xera, l'Xera, ni le Yoder. Moi, je ne vais, pas me permettre, mais toi, si tu veux t'interdire. Ah oui, oui. Que c'est Hadak Xera. Moi, je n'interdis jamais. Arashut Beyatra. Ok. Mipene, Shemesis, Afal, Mekomo. Maï Benayou. Demande à Gmara, qu'est-ce qui les distingue? Les deux raisons qui ont été données, celle de Rav Yosef et celle de Rabba. Ika Benayou, Afal, Tihouah. Afar Tihouah, il y a entre les deux. Quoi Afar Tihouah? Et même jusque-là, on parlait de Afar Tihouah. Selon la Chine, on dirait qu'on parlait jusqu'à présent aussi de Afar Tihouah. D'accord? Mais il n'y a pas assez. Eh, il n'y a pas assez. Alors, qu'est-ce que tu m'as répondu quand j'ai Afar Tihouah? À mon avis, c'est ça le clomar de Rashi. Regardez Rashi ce qu'il dit. Afar Tihouah, clomar, Tihouah, Beomek, Deleka, le Mihash, le Mizis. Non, la Kavana, c'est qu'il y a beaucoup de Afar Tihouah, de telle sorte que quand j'enfonce, il n'y a pas de problème. Chez Mayaziz Kloum. Mais tu. Peut-être que c'est la Kavana, je ne sais pas. Tihouah, c'est le sable fin qui est mouvant. Pas collé, pas mouillé. Pas collé, exactement. Alors, selon la DA qui dit. Ça, hein? Ça chauffe plus que. C'est pas la. Chauffer, ça chauffe, on s'en fiche, c'est pas ça le but. Le but, c'est. Ben non, quand c'est Afar Tihouah. Qu'est-ce qu'il va penser Rabba et qu'est-ce qu'il va penser Rav Yosef? Rabba, il va te dire Afar Tihouah, c'est assourd. Il y a toujours le problème de Shemayat Min Beremes. La même chose. Malizé, Zem Vachel. Par contre, selon Rav Yosef, que tout son problème, c'est un problème de. Tu vas déraciner un sol compact. Tu vas creuser dans un sol compact et ça s'appelle Hofer Gouma. D'accord? Ici, il n'y aura pas, puisqu'il y a beaucoup de Afar Tihouah. On est dans le désert, il y a beaucoup de Afar Tihouah en profondeur, il n'y a aucun problème. Voilà la nafkamina qui est entre les deux. Un cas où Rabba il est Mahmir et Rav Yosef serait Mekel. Quoi? Le mot Yaziz, en vérité, il ne va pas très bien avec Rashi, parce qu'ils auraient dit Hofer. Yaziz, ça veut dire qu'il va bouger, on a un problème de Moukse. Ouais, mais si tu dis Mouxé, ça a l'air. Ouais, alors si tu dis Mouxé, en plus tu dis schéma, c'est un peu lourd. Quand on est quand même Xéra, tu veux dire on est un peu loin, exactement. Mais la gamar, elle dit Yaziz, alors il y a la schéma. Ok, Yaziz. Yaziz. On va à Tosfot, il y a un long Tosfot, vous connaissez chez Mésis à la fin du moment. Il va proposer à Benoutam deux autres explications. Ok. On continue un peu de Gmara. Motivé, ouais, vous êtes motivé ou pas là? Yes, motivé. Alors, motivé. Rashba Gomer, jusqu'à maintenant motivé, jusqu'à la page. Cette blague elle est vieille, elle est très très vieille. Elle a 7 ans pratiquement. Mais la page suivante, peut-être on sera pas motivé. Moi, ouais. Pour l'instant, on est motivé. Mais tu veux, Rashba Gomer, Megalgelin Bessa al-Gabé Gagroteya. Ven Megalgelin Bessa al-Gabé Sidroteya. On peut mettre un œuf à chauffer sur un toit qui est brûlant, toit d'une maison, vous voyez, qui est brûlant. Ça s'appelle Toldot Hama. D'accord? Toldot Hama? Oui. Ouais, mais Galgelin Bessal Gabé Sidrotea. Ça marche pas là. Sidrotea, c'est de la chaux chaude. De la chaux brûlante. Et ça, c'est Toldot Haour, Toldot Haesh. Comme ça, là, j'explique.
Un, c'est Toldot Hama, et l'autre, c'est Toldot Haesh. D'accord. Le Gag, c'est Toldot Hama. Le Gag, c'est Toldot Hama. Très bien. Alors, dit la Gemara, donc s'il y a quelqu'un qui permet Toldot Hama, ça peut être que Rabbi aussi. D'accord. Alors, venez, on continue la Gemara. Mishlama le mande amal gzera shemayat min beremes. Selon celui qui dit shemayat min beremes, le kalemigzar. Ici, il n'y a pas lieu de critiquer, tu n'enfouis pas. Tu n'es pas en train d'enfuir. Et là, le mande amal mi pene shemezis afal mi mekomo. Mais selon celui qui dit mezis afal mi mekomo, l'igzar. La Gemara dit décrète pourquoi? Il se peut. Pourquoi on décrète ici? Ouais. Alors, ils sont en train de faire un chat à 10 heures. Allez. Ouais, dès que, à 8 heures, ils sont normalement au lit. Dès que je suis en train de faire hein. Les cours, c'est quartier libre pour eux. Alors. Et là, les mains d'Amal, ils peinent chez Mésis, Afar, Mimekomo. Selon celui qui dit Mésis, Afar, Mimekomo, c'est-à-dire selon Rav Yosef. Ouais. Alors, l'Igzar, pourquoi on ne décréterait pas que peut-être il va enfuir, il va creuser dans le toit, qu'on dirait que ce n'était pas solide comme le toit, nous, ouais, afin de couvrir son œuf. Et pour la Gemara, Sam Gaglet Be'afar. Un gag, en général, il n'y a rien comme affaire. En général. S'il y avait un peu d'affaire, tu peux commencer à discuter. Mais là, en général, il n'y a pas d'affaire. C'est bien enduit. Et donc, ça ne commencera même pas le problème. D'accord? Voilà ce que propose l'Agmara pour répondre, défendre Rav Yosef. C'est bon? Yes. Ça va, Sylvain? Baruch Hashem. Tu n'étais pas là à cette heure. Tu bosses là ou quoi? Quoi? Tu bosses ou quoi? Je bosse, je fais les cours, je fais tout. Ouais. Bon, il n'y a pas tout faire. Ça veut dire qu'il n'y a que ta femme qui est confinée, c'est ça? Voilà, c'est ça. Attends, moi je peux faire pour tout le monde. Voilà. Allez. Tashma, on continue. Tashma. Je préfère faire toute la sougia, chaque laveta et selon Rashi. Ouais, comme ça, on a un peu sur la deshmateta. Après, faire quelques tosfotim. Je ne sais pas si on pourra faire tous les tosfotim, parce qu'il y en a qui sont un peu longs. D'accord. Bon, j'aime bien Azor. J'ai peur qu'on s'embrouille aussi. Donc, je préfère que faire d'abord chaque lavetaria. Tashma. Maase, shiasu, anche, teveria, ve'evi, usiron, shelsonen, etor, hama, shelhamin, ve'choule. La Gemara rapporte à Mishnah l'histoire de Maase, teveria. Anche, teveria. Ouais. Qu'est-ce qu'elle veut la Gemara avec ça? La Gemara veut objecter. La Gemara va chercher à objecter sur Urava ou Rabbi Yosef tout de suite. La Gemara dit, tu vois, dans la Mishnah, après avoir apporté la Mahloket entre Rabbi Yossi et Chachamim, et après on a amené le cas où tout le monde est d'accord. C'est quoi le cas où tout le monde est d'accord? C'est quand c'est Ba'afar, Afar Drachim, Drachim, etc. Juste après, on a rapporté le Maasé. N'est-ce pas? C'est pour dire que tout le monde est d'accord avec ce Maasé. C'est la même Rabbi aussi. D'accord? Maasé. Bishlama Aleman. Demande à Gmara. Bishlama Aleman de Amak Zera Shema Yatmin Beremes. Regardez ce que la Gmara dit. Ça va bien pour celui qui dit Gzera Shema Yatmin Beremes. C'est-à-dire Rabbi aussi, il est d'accord dans Avak Drachim. Dans Hall, pourquoi? Parce qu'il y a à confondre avec Yatmin Beremes. Aïnou de Damial et Atmana. Ah, je vois, cela ressemble à la Atmana. Damial et Atmana, ça ressemble à Atmana. Qu'est-ce que ça veut dire? L'eau, regardez ce qu'il dit Rashi. De Damial et Atmana, chez Matmin, Maim Bemaim. Là aussi, il enfonce de l'eau froide dans de l'eau chaude. Matmin, c'est pelle, hein? Non, on n'aurait jamais fait le parallèle, mais la Gemara le fait. Matmin, maim, bemaim. Tu enfonces de l'eau dans de l'eau. Ça cuit, alors il dit le polonais, il va dire alors, la même chose. Enfoncer dans du remes aussi. Ça cuit, ça cuit, ça cuit. Pourquoi ça serait permis? Ça et pas ça.
Pourquoi ça, c'est permis, ça? Alors, tu vois, Rabbi aussi, il interdit dès l'instant où les gens vont avoir une telle réflexion, il interdit. Voilà pourquoi on a amené ce maasé-là. Et dame, il y a les atmana. Et là, les mandats, mami peneche, misisafar, mime comment? Mais selon celui qui dit, Rabbi Yosef, que le problème, pourquoi Rabbi Yosef, il est d'accord? C'est une histoire de misisafar, mime comment? Mais ça, c'est pas chayach du tout dans l'eau. Maï kalememar, kushia contre lui, kushia contre Rabbi Yosef. On n'a pas dit que le selon, il est à l'intérieur de ma amen. Selon, je parle selon Ri. Oui. Selon Ri. Ok, même si tu dis oui. Alors, donc, c'est pourquoi il y a un problème de Mésis Rafar. Comment on peut arriver de là à Mésis Rafar? Ça n'a rien à voir. D'accord, ça c'est la question de Tosfot, de l'Agmara. Répond l'Agmara. Mis Savrat, Maaset Veria Asefa Kai. Est-ce que tu crois vraiment que le Maaset Zeria, il est là pour illustrer le digne de la Sefa? Pas du tout. Arechataï. Il est là pour illustrer le djinn de l'Arecha, là où il y a la mahloket entre Hachamim et Rabbi Yossi. Et le Maasé, il est venu illustrer Shittat Hachamim, mais pas Rabbi Yossi. D'accord? Regardez Rashi, peut-être ça va être plus clair. Asefa ka'i, mi savrat Maasé, Asefa ka'i, le sayata de hol ve avak. Pour illustrer le djinn du Hol et de Havak Ul-Urui et des Toldot Hama Kiai Gawana, pour te dire que Toldot Hama, qui ressemble à cela, a ciré les divrei Akol. Tout le monde est d'accord que c'est interdit. Crois-tu que c'est ça? Et pour la Gemara, pas du tout. Arecha Kai, Aplukta, Verabanan, ou de Amrela. Et c'est Hachamim qui parle. Aval et Rabbi aussi, Kiai Gawana, l'Omitsar. Si ça avait été Toldot Hama Mamash, ça n'aurait pas été interdit, puisqu'il n'y a pas du tout Mésis Rafar. D'accord? Dernier Toldot Aoni, comme la Gemara va répondre. Lui, Rabbi aussi pense que Hamet Veria, le bassin d'eau chaude, ouais, la chaleur, elle provient du feu du Geinom. D'accord? Donc le Geinom, il n'est pas très loin de là-bas. Alors, dans les mots de la Gemara, c'est le même feu qu'il y avait dans le Midbar. Dans le Midbar. Le Midbar, c'est un autre feu, ça. C'est... Pourquoi? Quel rapport? Non, parce que c'est ça, pour que ce soit Imlacha, il faut que ce soit la même chose. La Imlacha, il faut que le même feu que. Là, c'est un peu. Ouais. De là, on encore voit 4 minutes. Ça veut dire que c'est un feu matériel, en fait. On voit que c'est un feu matériel. Hein? Allez, mi savrat. Non, mais encore 4 minutes pour le remettre. Mi savrat maaset veria sefa kai. Allez, shakai. Lo yafki aina bisudarim verabi osi matir. Vachi kamlele rabana de rabi osi. Ah, maaset d'anchet veria de toldot hamaou. Vachelou rabanan. Et sur ça, Rabbi aussi leur a répondu, Amaleu, Aou, Toldot, Aouro, et Halfe, Apitra, de Génom. Donc, d'ailleurs, dit le Ramban sur ça, qu'on voit de cette souvière-là, que le Génom, il a un feu matériel comme nous, là. Le Génom, c'est pas ça, mais un feu mystique, c'est un feu matériel. C'est pas lequel est le plus facile, hein? Ah? Je sais pas c'est lequel plus facile. Ouais. Ok, il y a plusieurs Mador, il paraît. Il y a plusieurs étages. Allez, on avance. Amar. Donc, Manu. On finit encore quelques lignes, après on fait quelques tossots. Ouais. Okay. Donc, ça veut dire que là, en fait, sur le sol là, de Tzeria, là, pour, comme c'est pas chauffé par ni le soleil, ni rien du tout, c'est chauffé par les braises du Geinam, on va dire. Non, donc c'est pour ça qu'il a. Ah, ça s'appelle le feu. Ça s'appelle du feu, ça. C'est donc comme c'est interdit. Voilà donc, pourquoi Hachamim l'aura interdit. Rabbi aussi dit pourquoi Hachamim l'aura interdit, mais parce que c'est pas Hamea, c'est pas Toldot à Hamad, bah, c'est Toldot à Our, si tu veux. Okay. Si c'est pas Our lui-même, en fait. Mm. En fait, c'est même Our lui-même, alors. Bon, non, peut-être c'est Toldot à Our. Alors, Amara Fazda.
Ça veut dire que la Gemara n'a pas retenu que c'est un dinat mana alors. Hein? Elle n'a pas retenu que c'est un dinat mana. Ça dépend. Selon Rabba, oui. Tout ça, ce qu'on est en train de dire, c'est selon Rav Yosef. Selon Rabba, tout le monde est d'accord, même Rabbi aussi, qui a un problème d'Atmana. Selon Rav Yosef, Achamim, oui, et Rabbi aussi, non. C'est ça, non? Mais eux, Hachamim est interdit à cause de Toldot Hama, en fait. Pas ouais, c'est ça. Alors, regarde la suite de la Gemara, va parler un peu de ça, on dirait. Amar Afzda, Mimase, Shasu, Anchet, Veria, Veasre, Leura, Banan, de par le fait que Hachamim, ils ont interdit à ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont fabriqué à Anchet, Veria, ouais, Batla, Atmana bedavar amosif evel wa filu mi beodiom. Dès la présidente, de là on apprend que la atmana, c'est quoi bat la atmana? On ne peut plus faire atmana. Bat la, c'est battel. On ne peut plus faire atmana bedavar amosif evel et même mi beodiom. Point. Rashi. Bat la atmana ne sara atmana. Bedavar amosif evel, pourquoi? De a mi beodiom. Ce qui est froid va être réchauffé par la suite, bien que c'est mimé là, c'est quand même interdit. Batla. Même Iberodium, même si tu as mis le silon Iberodium. Mais comment c'est le silon Iberodium? Matmin Iberodium, en fait, j'ai Matmin Iberodium, selon la chie, il n'y a pas de souci, comme on a dit. J'ai matmin de l'eau dans de l'eau miberodium, à harkar ou au l'air, grâce à la chaleur, ça va se réchauffer. Ça s'appellera atmana miberodium, et dit de là, on voit que c'est interdit. De là, on va déduire que l'atmana miberodium, ça sera interdit. Amosif Hevel. Amosif Hevel. D'accord? À peu près, ils ont mon cas. D'accord. Ouais. Mima Asse, alors encore une fois, Mima Asse, chez Aswan, chez Dvalia, Vasre, Leura, Banan, Bat, la Atmana, Bedavar, Amosif, Evel, Filum, Iberodium. Amar, c'est encore, hein, encore une fois, je dis, c'est un ridouche. Hein. Moi, j'aurais jamais parlé d'Atmana personnellement. J'aurais dit qu'il y a un problème de Bichoul, de je ne sais pas. Atmana, c'est quand c'est entièrement recouvert avec quelque chose de chaud. Voilà, on voit que c'est pas forcément ça. Non, mais là, il dit que c'est pas Atmana, là. De là, on a appris que c'est Atmana. Si on interdit ça, on interdira tout Atmana. Bien que moi, j'aurais pu dire que non, c'est pas la même chose. D'ailleurs, c'est la Tarana de Ri. Hein. Je répète, Matarana, c'est la Tarana de Ri qui est contre Rashi. Elle dit, pourquoi tu veux dire que c'est Atmana Bedavar Mosif Evel? Ça s'appelle Bichoul, ça, si tu veux. Pourquoi de là tu apprends Atmana? Non. C'était la raison pour laquelle Ri a changé de pshat en disant qu'on parle d'un tuyau qui traverse le canal chaud, le bassin chaud. Ouais. C'est ça la Tarana de Redouche. Selon Rashi, Bémet, c'est un Redouche. Très bien. Continue la Gemara. Continue. Amar Oula, Alakha Kenshet Veria. Ça, c'est pélé, ça. Alakha Kenshet Veria. Avec Hachamim, ils ont dit non. Quand même, Oula, il dit Alakha Kenshet Veria. L'Alakha, elle est comme les gens de Tveria. C'est-à-dire que tu as le droit de mettre ce silon là, selon Rashi, de le faire de le faire s'écouler sur le bassin de Hamed Veria
avant Shabbat, et pendant Shabbat, tu pourras te laver, etc., là-bas dedans, sans problème. Et ça continue, là, tu m'en as, c'est motard. Ouais, mais ouais, je ne sais pas quoi te dire, parce que. Est-ce qu'il veut dire que c'est permis, cet Atmana-là, est-ce qu'il veut dire que ça ne s'appelle même pas Atmana, je ne sais pas. Rola, quand il permet, quelle est sa kavana? Amar Rola, alaha, ken, chet, veria. Amar le Rav Nachman, kvar tavrinu, an chet, veria, les silonayu. Lui a dit Rav Nachman, comment toi, Rola, tu veux dire une chose comme celle-là? Arre, hachamim. Pardon, Anchet Veria eux-mêmes, à travers les dires de Hachamim, ils ont cassé leur silence, c'est-à-dire eux-mêmes, ils ont accepté le psar de Hachamim. Donc, En alacha kawataihu. Alacha donc n'est pas comme eux. Point. Voilà toute une sugya sur, sur ça. Maintenant, on fait quelques tosfot. Comme on est dans cette page-là, venez déjà, on fait le tosfot qui est devant nous. Mimase shasu Anchet Veria. Le premier Tosfot de Daf Lametet à Moudbet. Tosfot, tu demandes, mais je ne comprends pas. De cette histoire-là, tu as appris que Davar Abosifim, Ever Miberodium, Atmana, c'est sourd. Mais on a une Mishnah. On a une Mishnah plus tard qui va nous le dire. Ouais, que même Miberodium, c'est interdit. Ma, quoi tu parles? Alors, Vim, Tomar, Ma, Salih, Lemé, La Fuma, Sedan, Chetveria. Ah, maintenant, il y a des tomnins, mais d'avoir un motif, il y a des tomnins. C'est clair. Vous allez me dire, mais qui t'a dit que là-bas, on parle d'Iberodium? Ce n'est pas écrit noir sur blanc. Je continue. On parle d'Iberodium, aïe. On parle là-bas d'Iberodium. Qui t'a dit, des Misha Hashira, il y a des tomnins, il y a des tomnins, il y a des tomnins, il y a des tomnins. Parce que si on parle d'Misha Hashira, même un motif, il y a interdit. Donc, l'interdit de Daphim Zain, c'est d'Iberodium. D'accord? Moi, je me suis posé la question, pourquoi ne pas dire que le dîme de plus tard, que c'est interdit d'avoir la motifée, on l'a appris de là. Les Tanaïm, ils l'ont appris de là eux-mêmes. Khamim. Les Hachamim de la Mishnah Memzaï, qui ont interdit d'avoir la motifée, belle, Béodium, ouais, ils l'ont appris de cette histoire de Anchet Veria. Oui, en quoi ça répond à la question de Tosfot? C'est quoi la question de Tosfot? Pourquoi tu m'apportes le Maasé? Apporte-moi directement la Mishnah. Non, c'est ça la question. Ah bon? Non. Ma, c'est-à-dire les milaf, mima, c'est. Qu'est-ce que tu as besoin d'apprendre de cette histoire-là? Il y a une Mishnah plus tard. Ah. Mais je te dis, mais la Mishnah plus tard, c'est là sur mes corps. Ah, ok. Quand tu ne comprends pas comme ça. Bon, de toute façon, je vais proposer trois tirosimes. Aucun des tirosimes, c'est ce que je dis, moi. Mais a priori, c'est difficile de domer à Matmin Barimès de l'eau de Tveria. T'es interdit. L'Agmara le fait. Managid Lecha. L'Agmara, elle l'a fait. Mais de prendre l'origine de ça. Tu dis à cause de Matmin. Si tu dis qu'on apprend les eaux de Tveria, que c'est aussi fével, parce qu'on on a cette notion-là, par ailleurs, il y a vraiment un risque de Matmin Barimès. Ça va. Mais que tu dises. Je vais apprendre qu'on apprend tout de que les gens qui ont on a été gozer. Ce principe-là, on l'a pris de l'autre de Maïm de Tveria, c'est un peu bizarre. Pourquoi? Il n'y a pas de messe là-bas du tout, il n'y a aucun rapport avec le remesse. Mais tu as appelé ça une Atmana? Atmana, mais tu vas dire quoi? Atmana interdit à cause de quoi? Chez Meyer, une Atmana qui réchauffe, ça a remesse aussi, c'est une Atmana qui réchauffe. Oui, mais ça ressemble pas au remesse quand même. Tu vas te tromper pour faire dans le remesse. Je ne sais pas. Si, peut-être même ta question. Si c'est une question sur ce que je dis, c'est peut-être une question aussi sur les réponses de Tosfot. Bon, laissons de côté. Très bien. Alors, réponse numéro 1 de Ri. Le Homer, Ri. Ouais. Ozimamou, il n'arrête pas de changer de décor. Une fois, il est en Israël, une fois, il est dans la forêt, une fois, il est dans la jungle. Il voyage beaucoup. Alors, et une fois, il n'est pas là. De quoi on parle dans la Mishnah de plus tard de Memzaïn. Ouais, on parle ben Hashemashot. Ici on voit Gami Berodium, c'est sûr. Tu peux réfléchir. Ouais. Veim Tomar.
ואם תאמר, ואה קטנה תומני בגזי סמל, כמובן שפה רפונו תל שעוד לסתסות. הרי למשנה, אבל נוג'יר לבא, כאו פה תומן בגזי סמל, דלתון, שזה מוכן, ואין מטלטלין אותן. והיא בין השמשות, איך תומני? ביי. ועשו לטלטלן, כמובן שבין השמשות יש פה קוריר אבי גזי סמל דלתון, כזה מוכסה. ויש למה עשיסי עבור, יום טוב, עבור שבת, שקומחו. Toi, tu m'as dit qu'on peut, on peut, je peux te dire qu'on parle d'abord de ben hashmashot. C'est pas possible, de toute façon, on peut pas parler de ben hashmashot. Si on parle de ben hashmashot, t'as pas le droit de bouger sur la marmite pour la couvrir. Mais je te demande d'avoir mokminan kerabi. Réponds de sorte, ça c'est pas une question. J'aurais pu très bien te dire que la Mishnah sur Rabbi, Rabbi, tout ce qui est interdit, mais de la banane, ben hashmashot, je te le permets. Quand d'avoir sur Mishum Shevut, le cadre là, ben hashmashot. Soit dit, si c'est comme ça, si c'est comme ça, alors, pourquoi Fi'im tomar ikerabiat, ya'im ibarodiyam shari de atmin ben hashmashot, nami shari, de chol davar shi'um mishum shevut. C'est vrai ce que tu dis. Ouais, quoi? Que là-bas, la Mishnah, c'est que ben hashmashot. Ah, t'mana, b'davar mosifavel, que ben hashmashot, j'aurais pu dire. Et biberodiyam, qu'est-ce que tu dis? Ben, c'est permis. Mais si c'est permis biberodiyam, Rabbi te dit, ce qui est permis biberodiyam, je ne t'interdis pas, ben hashmashot, lorsque les souris n'est que des rabbanan. Donc, je reviens au problème. Réponds aux sfot, puis je le marre, d'awa amina, b'atmana, ahmiru. Hidush. Hidush. Peut-être, atmana, c'est différent. C'est vrai, de manière générale, les souris des rabbanan, Rabbi te dit, ben hashmashot, je te les permets, mais atmana, c'est différent. Peut-être. Viens, notre gmara chez nous, et me dit, non, 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 non. דבר מוסיף אבל מי בעוד יום זה אסור שטומפון d'accord ça c'est réponse numéro 1 deuxième réponse qui provient de Verdun והרב רבנו שמואל מוורדין de Verdun מפרש ממעשה דן שדבריה בתלת מנה זה אסור אפילו לאכול כתרנה ואסורים בשתייה c'est pas que c'est interdit d'avoir un mosif evel moi je sais très bien que d'avoir un mosif evel mi בעוד יום c'est interdit mais ici le hidouche c'est d'avoir un mot si faible, mi béodium, c'est interdit. Et si tu l'as fait, tu n'as pas le droit de manger. Ah. C'est ce qu'il faut voir, sur Bishtia. Donc, ça veut dire que tu n'as pas le droit d'utiliser. Ah, là, sur Bishtia, oui. Très bien. Moutal Bishtia, Moutal Bishtia. Assur Bishtia, Moutal Bishtia, Biyom Tov, on a dit. Aïn Mleh, Aïn Mleh. Non, non, on a dit, non. Non, tu parles de Yom Tov, tu ne parles pas de Shabbat. Biyom Tov, voilà. On parle de Shabbat. Ve'arav Rabben Yosef, Yonam Mefarech. Troisième réponse. Batla a filo bekdera haïta. Même une marmite crue. Ouais, vaïin ou dekamal batla mashma legam le mikodava. Ici, le hidou, j'aurais pu croire que la Mishnah plus tard, elle me parle, la Mishnah de Memzaïn, elle parle de quelque chose qui est uniquement nidbachel. Ouais, mais là, on parle même de quelque chose qui est cru, parce que l'eau, si elle est crue, elle n'est même pas cuite au départ, ouais. Et. Donc, c'est ça le hidouche de notre enseignement. Là, filo, quelque chose qui n'est pas cuit du tout, Atmana, elle est quand même interdite. Dès le Hagav, Birki Vaiger, il fait remarquer qu'on verra Tosfot un peu plus loin, d'accord, où là-bas, on voit de ce Tosfot-là, dans Daf Mem Zain, que selon Ala Tosfot, la Ben Shmuel, la Atmana, elle est uniquement. Lorsque Bachil veut la Bachil. Mais si c'est Haïta, si elle est crue entièrement, c'est permis. Donc ça ne va pas dans le sens de la Ben Yona. Arabe la Ben Yona. Wow. C'est bon? Yes. Très bien. Alors venez, on fait. Quelques Tosfot. Ah, quelques Tosfot. Hein. Pas beaucoup, pas beaucoup. Alors lequel vous voulez? Allez, on fait déjà les petits. Shema Yatmin Beremes. Alors, Shema Yatmin Beremes. On a vu l'opinion de Rabba que le raison pourquoi Rabbi aussi est d'accord dans, quand tu es Tomen l'œuf dans le hall ou dans Avak Drachim. C'est parce qu'après, il y a lieu de le confondre avec Remes, Shema Yatmin Beremes. Ce soit dit, Zaval, Aftahat, Sudarim, Logazrua, Atu, Shema Yatmin Beremes. Les Sudarim, Logazrua, Remes.
ואתו סודרין של התחממו ברור לא בעיה רבי יוסי למגזר זה אין דרך לחממן כל כך שלא יהיו נשרבים לא נשא הממו לא נשא הממו אני אפשר להגיד שם C'est des techniques. Hein. Non, non, non. Bonne technique. On apprend, on apprend. Bonne technique, bonne technique. Le radis de se taire, ça ne marche pas. Il faut leur donner des missions. Voilà. Allez, bon. Allez. Mais c'est des missions en grève. Bon. Il y en a un, il m'a donné un petit tuyau Shabbat après-midi quand on veut dormir. Il m'a dit, parce que très souvent, quand les enfants ils jouent, il y a pas mal de dérangements, des jouets par terre, etc. Il m'a dit, regarde, moi, je dis à mes enfants, c'est simple, papa, il se repose. Dès qu'il se réveille, papa, on commence à tout ranger. Et les enfants, ils n'ont pas envie de ranger. Donc, ils laissent dormir le père tranquillement, ils jouent très doucement. Et eux, et ils avaient pour reculer le rangement, en fait. Zach. Je vais essayer de voir si ça marche. Allez. Alors, je ne reprends pas d'autres sortes. Mais pourquoi la Bible aussi est d'accord dans Aftat Sudarim? Ça n'a rien à voir. Le gaz, il n'a pas mis Soudar, n'est-ce pas? Il dit Soudar et Remes, ça n'a rien à voir. Oui. Tu vas me dire, oui, très bien, mais Soudar, interdit à cause de Soudar que tu as chauffé avec du feu. Oui. Oui. Pourquoi pas? Il a dit ça, on ne le fait pas, ça se roule. Il a dit ça, ça ne se fait pas souvent. C'est rare de faire une telle chose. Ben, tout se dérige jamais. Bon, là, il y a la biocinémie. D'un des lechamemans, quand le cas chez lui, il ne sera pas la peur que ça brûle. Donc, on n'a pas trop l'habitude de les couvrir. C'est bon? Ça, c'est ce sort. Ah, schéma yatmin beremes. Après, on laisse ce sort qui pénètre, puisqu'il est un peu long. Et qu'à benayu afar tchihouah. יש בקונטרס דבאפת שכוח לא שייכה גומה. ראשי להגיד כאן זה אפת שכוח, יפת פרובלם. זאת אומרת, לאף, יפת פרובלם דה גומה. אין גומה כשקרה, יפה ספל פה גומה. בסופו של שכום חומפה, הוא עובד במסכת בסעה, כמם דה אפת שכוח, יפת פרובלם דה גומה. ואז זה משמע בבסעה דבאפת שכוח, נמי שייך גומה. קושיה. צריך לומר לפירושו, דעתם העירי שיש מעט עפת שכוח וסביבו קרקע קשה. וכשמסיר עפת שכוח, תישאר הגומה קיימת. אבל אחר כשיש עפת שכוח הרבה, כשיעשה גומה אינה מתקיימת, כי דופני הגומה ייפלו ולא יוכלו להתקיים. עוזרים מחייו. כפי שאין הקרקע קשה. תוספות דיז ידו, יסדו כתפיגיור. שינוי הקודי עפת שכוח. כאן שופי, תעפוס לאף, תעלב לאף, Le trou, il se referme. Le sable est en mouvant. D'accord? Par contre, là-bas, dans ma série de dessins, hein, on parlait que tu as du afar tchihouah. Et autour du afar tchihouah, tu as du afar caché. De telle sorte que quand tu enlèves le afar tchihouah, le trou, il reste. Parce qu'autour du afar tchihouah, il y a du afar caché. Voilà pourquoi ça s'appelle que tu as fait une gouma. Voilà comment on doit répondre selon Rashi. Okay. Là, c'est pas la gouma, c'est pas Xéra, parce que c'est mis. Voilà, je pense... Gouma, c'est de Oraïta, non? Non, mais Chassra, il fait gouma et Ansar et Afara. Alors, Tosfot, le Tosfot Mipene va parler de ça. Ah, d'accord. Ok. Ven Megalgelin Bessa, Tosfot d'après. Ven Megalgelin Bessa, Algabé Sidrotea. Ouais, vous rappelez de ça. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? On a dit que. On a rapporté Rashbag qui avait rapporté un enseignement de Dinim. Il lui a dit Megalgelin Beza Algabe Gag, et pas Agag Roteach, mais pas Sidroteach. Et Rashi a expliqué Gag Roteach, c'est Toldot Hama, Sidroteach, c'est Toldot Daesh, Toldot Taour. D'accord? Tosfot dit, mais pourquoi tu as pris un Toldot Hama et un Toldot Taour? Pourquoi tu n'aurais pas pu rester dans Toldot Hama? Un cas permis, un cas interdit. D'accord?
Comment tu trouves deux tôles de trama interdit, tout de suite on va voir. Okay. Alors on y va. Ven megalgelin besal gebe sidroteh caché ad mafrir ben toldot hama le toldot aur. Au lieu de faire une différence comme celle-là, l'iflor ben toldot hama gufayhu ben gagroteh le hol ve avak drachim ve gag deit be'ava. Pourquoi tu ne fais pas une différence entre d'un côté gagroteh, de l'autre côté hol ve avak drachim? Mais tu as dit que même l'habit aussi, il est d'accord que c'est interdit. Au gag des be'afar, du tout, un toit où il y a du afar, que selon là-bas, c'est un problème. Voilà, voilà deux cas. La Gemara n'a pas dit que dans le toit, il n'y a pas de... Enfin, non. Alors, c'est pour ça que tu as dit, on parle d'un toit où il y a du sable. Oui, ouais, mais tu nous diras général, mais habituel, ce qui est habituel. Non, mais tu es... Bon, ok, laisse-le. Ok, tu te déranges, enlève-le. Il y a des toits, les gens, ils font poser des pots de fleurs. Il a interdit, Khol, d'avoir d'un rime, tu es d'accord? Ouais. Pourtant, c'est Toldot. Rama. Oui, voilà, tu as interdit un permis. Pourquoi tu es passé à... Toldot Aour. Voilà, couché à d'autres fautes. Le man de Amar de Shemer Yatmin Beremes a dit Shapir de Maflir Ben Gag Roter le Sid Roter chez l'Okedel Khatmana. Il dit selon celui qui répond Yatmin Beremes, ouais, alors ça marche bien. Pourquoi ça marche bien lui? C'est-à-dire selon là-bas, ça marche bien. Pourquoi ça marche bien? Je dirais qu'il y a une question quand même, non? Bon, on va voir. Les schémas yatmin berem besati shapir de maflik ben gagroter sidroter. Pourquoi? Chez l'okedel echatmana. Parce que dans les deux cas, on parle, tu l'enfuis pas. Tu poses sur le gag qui est chaud, et ou bien tu poses sur le sid qui est roter. Ah, le sid yatmana. Il y a le sid yatmana. Non, tu n'es pas madmin, voilà. Tu poses. Ah, tu poses dans le sid roter. Les deux, ce n'est pas atmana. Et dans ce cas-là, il y a un permis à interdit. Regardez, on va jusqu'à la fin, on va voir. Aval betoldot hama agufayu, l'homme assis le miflag ela ben delechatmana, le shelo ke delechatmana. De becholami meno matmino bo, ela megal gelo al gabau, shari. Parce que si tu vas parler toldot hama, pour pouvoir interdire, il va falloir parler d'un cas sans atmana, l'autre cas avec atmana. Par exemple, gag, ce n'est pas atmana gag, tu poses sur le toit. L'autre cas, ça va devoir être un cas de atmana pour interdire. Parce que si ce n'était pas atmana, même selon lui, ça sera permis. Si tu poses dans du sable, selon la déa de Rabba, ça sera permis. Il faudra donc parler d'un cas atmana et l'autre cas, ce n'est pas atmana. D'accord? Donc, je reprends. Soit de répondre en disant, selon Rabat, qui selon lui, c'est un problème de Matmin Beremes, il faut pour pouvoir interdire enfouir. Ouais. Maintenant, moi, je parlais toujours du même cas. Donc, du même cas, Gag, qui donc n'est pas Atmana, c'est permis. Sidroter, c'est pas Atmana. C'est pas Atmana, Sidroter. C'est interdit. Pourquoi? Parce que c'est Toldot Haesh, Aour. Par contre, selon la DA, selon la DA de Mezid Afar, là, ce serait même un problème, on dirait. Par contre, si je vais devoir interdire, il faut que j'enfuis. Si j'ai envie de parler de Toldot Haou à Hama, il faut que dans un cas pour te permettre, c'est dessus, et l'autre cas qui va interdire, c'est enfui. Un Atmana et l'autre, c'est sans Atmana. D'accord? On parle de deux cas différents. C'est pourquoi hein, le Tana, c'est pas grave, alors, si le Tana, finalement, il a parlé de Toldot Haesh, au lieu de Toldot Hama, il change le cas. Voilà la réponse de ça. Prochain Tosfot. Et là, les mains d'Amar Shema Yaziz. Alors, la Gemara, elle a été marcha hein, sur Rav Yosef. Rav Yosef, tu dis, toi, Shema Yaziz, comment tu comprends la Mishnah, cette histoire
de Maaset Veria. Je comprends pas. Maaset Veria, je comprends pas. Alors, il n'y a pas de Azazat Afar là-bas. C'est ça la question, n'est-ce pas? Mm-hmm. Soit tu demandes, mais je ne comprends pas, Rav Yosef, il est a priori d'accord. Il n'est pas d'accord, Rav Yosef, avec le cas de Shema Yatmin Beremes. D'où il sait que Rav Yosef est a priori d'accord. On y va. Vein Tomar, le Rav Yosef, a tout mis les Xera Shema Yatmin Beremes. Quoi, il n'a pas cette raison-là? Veha, mais la raison qu'on a interdit d'avoir un motif Evel, c'est quoi qu'on a vu dans le Perek Sheni, à la fin du Perek Sheni? Pourquoi on a interdit d'avoir un motif Evel? Shema. Donc, elle existe bien, cette raison de Shema Yatmin Beremes. Mais Shlomar. Pourquoi ici, il n'a pas utilisé cette tame-là? Il faut réfléchir. Ça veut dire, pourquoi il a donné une deuxième raison? Ça veut dire qu'il y a des cas où Yatmin Beremes, ça, il va permettre et Yaziz Afar, il va interdire. Et Rabbi aussi, Rabbi aussi va dire que Rabbi aussi l'interdit. D'accord? Selon la Kushia de Tosot, pardon, on doit dire ça. On continue, Voyesh Lomar, Demi Berod, Yom, Ika le Mixar, Shema Yatmin Beremes. ושמה יחתה, אבל אחר לא שייך למגזר, דעתו אישרים הם לבשל בחמי חמה, ניחוש ג'ילמה עתי לבשל בחמי אור בשבת. אז כל הריפונס. On dirait qu'il va dire ici c'est pas du tout שייך מתמין ברמס. Pourquoi? Miberodium, yeshloma, de Miberodium, il cale le mixar, shema yatmin beremes. Le shema yahate. Avalacha, lo shayach le mixar. De atu isharin le vachel, behame hama, nihosh dilma atil le vachel, behame ur, bishabbat. On va pas arriver à se tromper. Ah, il va pas arriver à se tromper. Que ça veut dire? Tu es matmin betavar mosifeve? Je vais t'interdire cette atmanana à cause de Tatmin Beremes. Mais Biberodjom. Biberodjom. Matmin Beremes, Biberodjom, c'est pas ça. OK? Après, toi, tu vas venir être Mehate. Après, bon, c'est encore nos dossiers. C'est ça que je suis recherche. D'accord? Mais le fait d'enfuir, donc le fait d'enfuir, et d'avoir un motif faible, je suis recherche à cause de Remes, Biberodjom. D'accord? Avalacha. Mais chez nous, l'oshayach le mixar. Pourquoi? Chez nous, c'est quoi chez nous? Tu es matmin de l'eau dans Toldot Hama. Au moment, c'est Toldot Hama. Dans Toldot Hama. Gag. Miberodium. Pourquoi Gag? Toldot Hama. Maïm de. L'eau de Tveria. Donc, l'oshayach le mixar. Datu isharin le vachel de Hame Hama. Si on vient à permettre Hame Hama. Comme Rabbi aussi, ben qui permet. Ouais. Nihosh jilma atil vachel behameur beshabbat. Ah, tu as permis de hame hama beshabbat, c'est interdit hameur. Tu vois bien que les gens, il faut bien une différence entre le soleil et le feu. Alors là aussi, c'est pas selon Rabbi Yosef, on ne craint pas. Chez Maïa, on ne craint pas. Encore une fois, avalach aloshayach limikzar. Ça veut dire de la même manière que. On n'est pas Rochesh. Comme il fait ça, Miberodium. Et c'est avec Hame Hama qui fait ça. Dans d'autres Hama, on n'est pas Rochesh. Yahate Begehali. אבל אחר לא שייך למגזר, דעתו אישרינה לבשל בחמי חמה. ניחוש למעתי לבשל בחמי או בשבת. בוא, שפעון ג'רק, תסעות ספרו את מעיין ביאס כולו חילוק. דקור, תסעות דיסק ושישי שפה קומפרד.
On n'est pas recherche qu'un bonhomme, il va peut-être faire un sourd Torah directement. C'est parce que c'est le Béchabbat. Le premier cas, la Xéra, c'est quand tu matmines avant Shabbat, dans les Remes, alors tu peux arriver pendant Shabbat à tiser. Ouais. Là, c'est pendant Shabbat. Donc, il te dit, c'est pas ce que tu vas permettre. Shabbat, tu vas permettre. Quelqu'un, il va penser qu'on va plus cuire avec les dérivés pendant Shabbat. Mais c'est vrai que c'est contre l'idée des. La Xéra, c'est quoi? Shema Yahate. On t'a interdit de peur Shema Yahate pendant Shabbat. C'est pour ça qu'on t'a interdit avant Shabbat, pendant le Remes, de mettre, d'enfuir dans le Remes. D'accord? Je suis aussi fait belle. Avant Shabbat. Mais là, on est pendant Shabbat. Isharinan, les Vachel, Behamit, Variab. Je crois qu'il faut voir. Faut être d'accord. En tout cas, je continue quand même tout ce fait. Vim Tomar, Asrina Mishachacha Latmin, Afkeshen, Mosifem, Zera Shemaya Tiyah. Vim Tomar, Danem, il est d'avoir un bouchard, Kalim Hashemaya Tiyah, Rabishul Gamur, Kiyaha, l'autre a un chat tout ou l'autre Hama. Dans la réponse qu'on a donnée, il semble, dans l'idée de tout ce fait, ça sort que je ne vais pas être recherche. Que tu viens de faire un Issoul Gamour. Ouais. Il dit, mais pourtant, c'est bien ce qu'on dit. Bon, il faut être marien, hein, mais juste rapidement. Pourtant, on interdit bien d'être matmin, bedavar chez le Mosif Evel le vendredi soir. À cause de quoi? Chez Mayer Tia. Peut-être qu'il va faire en sorte que ça bouille, ça boue, ça chauffe. Donc, tu vois bien, on le dit, ça. Quand tu me dis, on ne dit pas. Mais on le dit. Alors là aussi, pourquoi on ne va pas dire « Je t'interdis, Hamé, à cause de peut-être tu vas cuire. » C'est quoi le problème? On se dit « Yeshlomar d'anem ilèb et d'avalam bouchal. » Il dit « Ça dépend. Si c'est quelque chose qui m'a cuit, ouais, qui est cuit, alors il y a un crâne chez Mertir. Ça se refroidit, j'ai envie de rechauffer. « Aval bichoul gamour qui a kha, mais vraiment cuire depuis le départ, comme ici. L'autre a une chair tout au dos de ils ne vont pas craindre à cause de ton autre âme. Il a toujours une petite réponse, Tosfot. Ça veut dire, ton autre âme, je ne peux pas l'interdire, ton autre âme, à cause de ton autre âge, les gammes. Si c'est. Ok. Bon. Alors, juste, le Tosfot, il peut chez mes Ziz, quelques points de ce soit-là, même si on ne fait pas entièrement. Mi penesh et mezis, la femme, mi komo penesh, me contras, mi torche lo yelo hol. Akur. Ouais. Akur, quand la soleil, les chassot, a-t-il azouz et affaire à davouk, ou bien chauffer gouma. D'accord, il ne va pas avoir le sable nécessaire, il va donc creuser pour avoir le sable nécessaire. Ouais. Alors, Vekash et Leriva. Déane Kaïsura Doraita, Bahafar Gouma, Venosari, Khelal Afara, le Rabbi Shimon, Daman, Makash, et Sikhel Goufa, Patur Alea. Selon Rabbi Shimon, qu'elle a l'appelé comme lui, ouais, je comprends pas. Arrête, ça s'est creusé, pas pour avoir besoin du trou, mais pour avoir besoin du sable. C'est Makash, et Goufa, c'est Patur Alea. C'est pas Hayav, donc ça devient Gzera, Gzera. Question de Jojo, c'était cette question-là que tu as posée, ouais. Vesari Khloma. Peut-être l'endroit même où il veut mettre l'œuf creusé, il va l'enfoncer. Et c'est là-bas la gouma. Et donc le gouma, il était pour les goufas. Ah, les goufas. Il va mettre l'œuf dedans. Verabenuta Mekcha. Verabenuta, il a posé, je crois, deux questions sur Rashi. Verabenuta Mekcha, les pirouches à contraste. Les mains chané besamour stam gag let be afar. Un toit, ça n'a pas de hafa. Mikol makom, il faut dire Mikol makom. Astam gag, yesh bo ma'aziva. Dans le gag, y'a ma'aziva, une sorte de ciment, quelque chose comme ça, ouais. Mais qui va de gazine, un schéma yahpol. L'exemple schéma yahpol, mais ma'aziva, vechassé. Bon, c'est un peu pélé quand même. Hein. Il va casser sa maison pour faire son œuf. Il va creuser dans la ma'aziva. Ma'aziva, c'est pas la gouttière. Ouais.
qui va casser. Il y a des choses là-bas, il y a des saletés et tout, peut-être qu'il fait un petit. Ah. Dans la gouttière, là-bas, il y a des choses. Ah, il y a plein de saletés qui se condensent là-bas. C'est dans la couture, la gouttière. Il va faire là-bas. Je ne veux pas être raciste, mais peut-être c'est un arabe, il peut faire tout. Et tout est permis pour lui. Ok. Veod, deuxième question. Veod, chez Massa, Besfarim et Chani, mi pene chez Meziz, à Fabi Mekomo. Pour le Firouche, à contrat, ça dit que les grosses chez Mayaziz. Sima? Yaziz. Pas nous, même nous, les Gores, mais mettre comme ça. Nous, les Gores, on n'est pas Gores chez Mé. On est Gores, mi pene chez Meziz, à Fabi. C'est le Mekomo, chez Meziz, à Fabi. Meziz, à Fabi. Est-ce que c'est l'année, c'est le Mekomo qui est la différence dans la. Ah non, mais c'est toujours à. Ah. Et mais comment tu penses, toi, peut-être? Mais on voit la réponse de Rabbeinu Tam, c'est ta raison. Donc, toi, tu dis, nous, la guirsa, c'est chez Mesiz, Afa, mi Mekomo. Voilà. Ouais, et l'autre, c'est quoi? Chez Mesiz, Afa. Non, c'est la salaire de Chema. Bon, on me ferait chez Rabbeinu Tam, chez Mesiz, Afa, chou Mouksé. Voilà. Le problème. Selon Tosfot, le problème, si c'est un problème de Mouksé. Mais Mehmet, pourquoi selon Rashi, il n'y a pas de problème de Mouksé? Parce qu'il le prépare pour, non Mouhan. On parle de Hol Adrachim. On parle de Hol de la maison, Avak Drachim. Parce que c'est Avak qu'on peut marcher dessus, ça s'appelle Mouhan. Mm. Bon. En tout cas, Rabbeinu Tam explique Beziz Afal Shu Mouksé Mimekomo. Que chez Tohev Abessa, il déplace le Afar. Le savoir Rav Yosef de Tiltoul Minasat, je mets Tiltoul. Bien que la Tiltoul Minasat, ça s'appelle quand même Tiltoul. Mais Kabenayou, Afar Tchihouah. Après, elle dit qu'est-ce qu'il y a entre les deux. C'est Afar Tchihouah. Aïnou Chou Tchihouah, Kolkar, il est tellement Tchihouah. Ça veut dire que c'est permis selon Rav Yosef. Mais ils Afar quand même, Afar Tchihouah. Réponse, non, quand tu mets l'œuf, vous voyez, oups. Tout seul. Tout seul. Quand le cas que chez Mani, Habessa Miyadou à l'épaule, Nitmenet Measma Betoche Afar. Mais non, mais Afar, mais comme Beyadai. Il ne fait pas ça avec la main. Mais Ashta, Ati, Shapir, Destam, Gaglet, Beyafar, Kolkar, Shiokal, Atmin, Betocho, et le Hafirat, Maaziva, Lohai Shinan. Comment j'ai répondu à la question de Maaziva? Ouais. On ne comprend pas. On ne craint pas à ce que tu viennes à creuser. On ne craint pas ça. Ouais. Donc, ni Maziva, ni... Ça, on ne craint pas. Au le pirouge, c'est... Avec ma cire et mes marres... Bon, on s'arrête là, ça suffit. Mmh. Allez, ça suffit. Après, il y a un deuxième pirouge dans la Benoutam un peu plus bas. D'accord. Véron, pirouge, la Benoutam, baissez, faire la chasse, et me dis, à faire mes mécomos, ou avec Hofer. Il rejoint un peu Rashi. Et il dit qu'il va être offert chez vous, tout le monde, Horesh. D'accord? Bon, regardez-le, vous, tout seul, d'accord? Allez, on s'arrête là, surtout. Vous comptez sur moi. Ouais, bien attention. on continue la Gemara. Réhel ça. Ah, Maase, Shasu, Anchet, Veria, etc. On a vu dans la Mishnah que si c'était Réhissa, ouais. Si c'était Shabbat, pardon. C'est que même chez Ocham ou de Shabbat, c'est Asur, Rechissa et Shtia. Et si c'est Yom Tov, c'est Asur, Rechissa, mais c'est Moutar Shtia. C'est clair? Oui. Ça, c'est ce que la Gemara, la Mishnah a dit. Alors, Gemara, les Dana, de quel Rechissa on parle? Est-ce qu'on parle de se laver tout le corps ou est-ce qu'on parle de se laver le le visage, les mains, les pieds, comme c'était fréquent à l'époque. Si tu parles, si dans la Mishnah on parle de laver tout le corps, et la hamin shoham ou beshabbatou de asurin, la hamin shoham ou meherem shabbat mutarim. Le Tana dit quoi? Ah, ça s'appelle maim shoham ou beshabbat, et donc c'est interdit rechissa et shtia. Dis-moi, et si ça avait été même chez Ocham ou Me'er Shabbat, le Rechissa, c'est permis?
c'est pas permis non plus. Si on parle de l'Echissat Kol Goufo, c'est pas permis non plus. Mm-hmm. D'accord. Encore une fois. Vatania. Donc Vatania. Ah, Hamin Shoham Omer Shabbat Mutarin. Vatania. Hamin Shoham Omer Shabbat. Le Mahab. Rohez Ben Panav Yada Verarla Waval Lo Kol Goufo. Donc même de l'eau qui a été chauffée la veille de Shabbat, ce que tu as le droit, c'est uniquement pendant Shabbat, Panav Yada Verarla. Kol Goufo, non. Kol Goufo, non. Alors on change. On met Panav Yada. Et là, Panav Yada Verarla. On a qu'à dire Panav Yada Verarla. Et Masifa. Emraim Masifa. Stop, si je m'arrête là une seconde, là, je pose une question. Je dis, mais Panav Yada Verarlaou, parce que ça a été cuit pendant Shabbat, j'ai le droit. Non, mais Shabbat, mais j'ai pas le droit. Non, j'ai pas le droit, mais si ça avait été à Shabbat, j'ai le droit. Mm-hmm. D'accord, c'est ça la Gemara. Alors, laisse la question, on va la poser tout à l'heure. Et là, Panav Yada Verarlaou, Emma Sefa dit la Gemara, Beyom Tov, Kehamin Shehohamu, Beyom Tov. Vasurin bilhissa ou motarin bishtiya. Quand on dit asurin bilhissa, c'est quoi? Donc l'eau qui a cuit pendant Yom Tov. Pour la gouffe. Non, on parle pas de pour la gouffe, attention. Non, mais là, quand on dit à la Yom Tov, tu choisis pas. Et si tu as considéré le hissa le premier, c'est Panav Yada Verarlaou, même le hissa d'après, c'est Panav Yada Verarlaou. Oui, c'est la question. C'est la question. Ok. Donc vasurin bilhissa ou motarin bishtiya. Le matnan stama ki bet shamay. Est-ce que ça veut dire qu'on a enseigné une Stam Mishnah, notre Mishnah à nous, comme Bet Shamay, qui eux interdisent. Même Panav Yada. Le Hissat, l'eau qui a chauffé pendant Yom Tov, Bet Shamay interdise Panav Yada Verarlaou et Bet Hillel permet. D'accord. Donc ça va sortir que la Mishnah qui a interdit, c'est qui? C'est Bet Shamay, c'est étonnant. Detnan, Bet Shamay, Omrim, Lo Yachem, Adam, Hamin, Le Rarlaou. Un homme, et là, seulement s'ils sont aptes à être bu. Plus tard, qu'on verra dans ton sort, c'est quoi le mot apte. La mâchement du mot réouïm, ça veut dire qu'en fait, tu les cuisines pas pour boire. Ils sont aptes à être bu, mais ils ne sont pas faits pour boire. Mais de toute façon, ils vont repousser cette havana-là. D'accord ? Qu'ils soient faits pour ça. Il faut que ça soit qu'on boive. Voilà. Il faut que ce soit de l'eau pour boire. Voilà. Le mot les ouïn, il n'est pas top, d'accord. On verra ça plus tard. Ou bet il est le matirin, et bet il est le permettre. Question. Donc, ça veut dire que la Mishnah suit bet, Shamay. Amar Avika Bar Hanania. Réponse. Vous savez de quoi on parle ici? Amar Avika Bar Hanania. Le Ishtatev Ben Kol Gufo Askinan. On parle qu'il a lavé, il va se laver tout le corps, mais pas, il ne rentre pas dans le bassin. Il ne va pas rentrer dans le bassin, comme à l'époque où on rentre dans le bassin. On prend l'eau du bassin et on se lave le corps avec. On le retire et on se verse sur soi-même. On appelle ça les ishtatef. D'accord ? Amarav ita bar hadania, les ishtatef ben kol gufo askinan. Pirouche. Qu'est-ce que ça veut dire ? De l'eau qui a chauffé pendant Shabbat ou pendant Yom Tov, on n'a pas le droit de se réchauffer, de ishtatef kol gufo. De se laver tout le corps et l'eau elle est dans le bassin et nous on est dehors, d'accord, on n'a pas le droit. Mais si c'est de l'eau qui a été chauffée à Erev Shabbat, ouais, on doit sortir ça, c'est ça qu'on recherche. Si c'est de l'eau qui a été réchauffée à Erev Shabbat, on aura le droit à l'ishtatef kol gufo, d'accord. Et alors c'est tout, ça y est, j'ai gagné. Si j'ai dit ça, j'ai gagné, j'ai aucune stira. Parce que ce qu'on interdit, nous, à Erev Shabbat, même l'eau qui a chauffé à Erev Shabbat, de se laver entièrement Shabbat, c'est quand tu rentres dans l'eau. Ça, c'est interdit. Mais quand toi, tu es en dehors de l'eau et tu prends l'eau par ta main ou par un ustensile et tu te la verses sur toi, ça s'appelle Ishtatef Kol Gufo et c'est permis, si l'eau a été chauffée à Erev Shabbat, de laver de cette manière-là pendant Shabbat. Mm-hmm. D'accord. Donc, Amar Avika Bar Hanania, Ishtatef Ben Kol Gufo Asrinan Vaitanaou. Et le Tana, c'est celui-là. C'est la Bishimon qu'on verra tout de suite. C'est Tania.
לא ישתתף אדם כל גופו, בין בחמין ובין בסונן. Un homme n'a pas le droit, donc de l'eau qui a été chauffée même à Shabbat, ouais, Hamin, même Bessonen, même de l'eau froide, pendant Shabbat, tu ne peux pas te laver ni avec de l'eau froide, Bishtifa, ni avec Hamin, même chez Oham ou Alef Shabbat. C'est rare de comprendre comme ça a priori. Pourquoi? Parce que Sonen, c'est interdit. Sonen, c'est interdit. Mais Sonen, tu n'as rien fait du tout. Donc, c'est-à-dire même s'ils viennent de la veille. Alors, quand chez Ken, Hamin, qui viennent de la veille. Divrei Rabbi Meir. Ça, c'est Rabbi Meir. Donc, Rabbi Meir m'interdit. Ce n'est pas lui l'auteur de la Mishnah. Rabbi Shimon, Matir. Rabbi Shimon, il permet l'eau froide et l'eau qui a été chauffée avant Shabbat. Les Shtatev, c'est permis. C'est lui l'auteur de la Mishnah. Rabbi Oda Omer, Pechamin, Asur, Besonen, Mouta. Rabbi Oda dit, si c'est de l'eau chaude, ouais, de Erev Shabbat, c'est interdit, donc c'est pas lui l'auteur de la Mishnah. Bensonen Moutar, et si c'est de l'eau froide, c'est permis. Voilà, on a répondu à notre question dans notre Mishnah. Quand on parle de Hamid, quand on parle de la Chita, on parle de l'Ishtatef. D'accord. Point. Amar Rav Chisda, Mahloket Bekli. Aval Bekarta, Jivre Akol Moutar. Donc ici, regardez, on a encore quelques lignes de Gemara. Ouais, moi je préfère qu'on les finisse comme ça, on a toute la sugya et après on fait quelques tosfot attachés. Regardez juste, j'ai besoin qu'on réfléchisse ensemble sur un rashi, un ou deux rashi. Alors, dit la Gemara, Amar Rav Chisda, Mahloket Bekli. La Mahloket qu'on a entre Rabbi Meir, Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, elle est Bekeli, dans un Keli. Mishtatef, c'est-à-dire l'eau, elle est dans un keli, et tu prends cette eau-là et t'as mishtatef, d'accord? Aval bekarka, mais si l'eau, elle est bekarka, divrei akol muta, tout le monde permet, tout le monde permettra. Quelle différence il y a entre keli et karka? Alors, si on ne se pose pas la question, on avance et on avance, c'est pas grave, et c'est tout, d'accord? Alors, c'est pas grave. Alors, on va faire la même chose. On va avancer. Mais on si on dit... la différence pour le moment. Attends une seconde. Juste, ouais. On ne sait pas ce qu'est la différence clé et karka. On verra ça après dans la chine. Et pour le moment, on va dire qu'il y a une différence. Laquelle, peu importe. Dis-le à Kol Mouta. Demande à Gmara, c'est un chèque de karka. Je ne comprends pas. Mais Hamed Veria, c'était dans le karka. L'histoire de la Mishnah, c'était karka. Et tu l'as établi comme qui comme Rabbi Shimon, donc c'est quelque Rabbi Shimon qui permet, ouais. Le Hachamim. Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, ils interdisent. Ouais, ils interdisent. Donc c'est faux ce que tu dis. Donc Amara Amara Vachda Bahloket Bekliya Vabekarka Jivla Komuta Vam Asidan Shidvali Bekarka Vavay Asidu Rabanan. Pardon, encore une fois, j'ai mal parlé, pardon. Maaset Veria, c'était Bekarka, et Hakamim là-bas, ils interdisent. Voilà, normalement, ça va être Mouta. Alors, toi, tu as dit quoi? Toi, tu as dit Bekarka, devrait être Mouta. Tout le monde doit être Mouta, mais là-bas, on voit que Hakamim interdit Bekarka. Voilà. Réponse. Et la Itmar, la Itmar. Mahloket, Bekarka. La Mahloket, elle est Bekarka. Aval Bekli, Jivrei Hakol Asur. Kli, c'est interdit. Ouais. C'est-à-dire, toujours Kli, c'est plus Hamour que Karka, d'accord? Donc, elle a Itmar, Achitmar, Mahloket, Bekarka, la Mahloket, elle est sur le sol. La Mahloket entre Rabbi Meir, Hachamim, Rabbi Meir, Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda, et Bekarka. Aval Bekli, Jivrei Hakol Asur. Donc, le Hachamim de Ma'asit Beria, c'est comme le Hacham qui l'a dit Asur. Ouais, ça, encore une fois. Donc, le Hachamim Behamet Baria, qui est Karka, c'est Rabbi Shimon. Selon Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon, qui pendant Shabbat c'est interdit, mais à Shabbat c'est permis. Voilà. Ouais. Voilà la Gemara. C'est bon. Maintenant, nous, ce qui nous manque, on a toujours remarqué que Karka,
c'est plus grave Kelly. C'est moins grave. Pas grave. Moins grave, Mahila. Moins grave que Kelly. D'accord. Pourquoi? Quelle différence il y a entre l'un et l'autre? Voilà, si. Mais ça dépend, c'est quoi, Karka, déjà? C'est quoi, Karka? Qu'est-ce que ça veut dire, Bekir ou Karka? C'est-à-dire. Kelly. Kelly, c'est un qu'on met à chauffer. Oui. Karka, c'est un crucé dans le sol. Ça peut être une baignoire, ça peut être un trou sans baignoire, comme tu veux, je ne sais pas. Migvé. Oui, Migvé, par exemple. Mais alors, Rachi, regardez Rachi. Bekli. Bekli. Daroy Omer. Ayom ou Hamu. Omuk Hamilta. Detoldot Urninu. Va-t-il à Hembe Shabbat? Jusque-là, ça veut dire quoi? Kelly, celui qui te voit, dit oh là là, il vient de chauffer cette eau-là. Il vient de chauffer cette eau-là. T'as chauffé pendant le Shabbat? Ah, on a le droit de chauffer dans le Shabbat. Ouais, c'est ça. Oui. Va-t-il à Hembe Shabbat? Kegon. Et Rachid dit non, il ne va pas venir vraiment à cuire de l'eau Shabbat. Kegon, noten sonen behami. On dit Rachid, il n'a pas envie de dire qu'il va cuire vraiment. Parce que ça ne va pas venir, ça. C'est trop. Ouais, mais lui, quand il le voit, qu'est-ce qu'il s'imagine? Il voit quoi, lui? Il voit une cuisson. Il voit une bassine d'eau chaude. Qu'est-ce qu'il s'imagine? Voilà, que ça a été cuit. Alors, il va le venir à cuire. Alors, c'est quoi, Kegon? Non, il va mettre de l'eau froide dans de l'eau chaude. Non, je ne comprends pas. Si tu le soupçonnes de cuire et tu crois que c'est permis, alors, tu vas venir à le faire toi-même. Ouais, non, Rachid ne veut pas ça. Rachid ne veut pas ça. On ne va pas croire ça. Non. Alors, qu'est-ce qu'on va croire? On va croire que cette eau chaude-là, elle a été chauffée quoi? Et le Shabbat, il a rajouté de l'eau. Mais ce n'est pas ce qu'il y a à dire. Va-t-il Omuk Hamita del Toldot Haur Nino Vachil Hem Beshabbat Kegon. Vous voyez le Kegon, il est difficile, ce Kegon-là. Ok, on continue. Aval Bekarta Kegon. Un Beta Ot. Shelmer Hassa Ot. Wen Hamea Ur. Par exemple, un Batia. Aussi dit. Ça aussi, Kegon, qui veut. T'as qu'à dire, normal. Kegon va t'en faire ça. Et ça, c'est Hame Vehen Hame Aour. Non, c'est difficile de trouver là. Ça veut dire qu'on parle, quoi? On parle de un bataot que lui-même, on le chauffe. L'ambat, ouais. Elle-même, l'ustensile. Ouais. C'est quand même chauffer la terre. C'est un ustensile incrusté dans le sol, en fait. C'est ça la kavana du Kegon. Moutar, Rashi, de batle lehu bitorat hamim. Ça veut dire batle lehu bitorat hamim. Tu sais la différence qu'il y a entre l'un et l'autre, c'est quoi? Alors, non. Oh là là, c'est dangereux. Donne-lui quelque chose à appeler. Il a voulu éteindre l'ordinateur. Alors. C'est un numéro, hein? Ah. Un petit numéro, cela. Tu vois qu'il y a ça clignote ici. Alors, là, on disait quoi? Rachim Moutar de Batle Léo Mitorat Hamin. Quoi? Batle Léo, ça s'appelle plus Hamin. Ça s'appelle plus Hamin. Voilà. Batle Léo Mitorat Hamin. La notion de Hamin qu'on l'a donné, c'est battre les Bitorat Hamin. C'est quoi? Ça s'appelle plus Hamin? Oui. Ça n'a pas le même djinn que. Mais qu'est-ce qui se passe? Makara. Entre le Tanour et le. Bekli, Aroé Omer Ayom Ouham. Oumouk Hamita de Toldot Taour Nino. Et si on voit que c'est Toldot Taour, dans lequel. Et Aroé Omer Ayom Ouham. Aujourd'hui, c'est. Alors, j'ai vu, il y en a qui veulent expliquer comme ça, et peut-être c'est aussi la Kavala d'Ashi, je ne sais pas. Est-ce qu'ils veulent dire que quand, mais c'est difficile, mais bon, ce que j'ai vu, ils disent que la Kavana, c'est comme ça. C'est que quand c'est dans un Keli, le fait que ce soit, en général, dans un Keli, sa chaleur, elle se dissipe rapidement. D'accord? C'est pourquoi il y a lieu de craindre quand c'est encore chaud qu'il l'a fait pendant Shabbat. Machen Ken,
quand c'est en Batia, la chaleur, elle reste longtemps. Donc, même s'il va le voir chaud, il va se dire ça fait un jour, deux jours que ça a été chauffé. Il ne va pas se dire que ça a été cuit, fait maintenant. Le contraire, je trouve ça difficile. Bon, c'est pas le contraire, c'est pas le contraire. C'est pourquoi il n'y a pas de recherche. Celui qui va le voir, il ne va pas se dire comme la chaleur. Quand en bas, il y a plus d'eau, la chaleur se dissipe moins vite. Alors, il va savoir que ce n'est pas tout de suite que ça a été cuit. Ça fait un petit moment. Il n'y a pas. Il n'y a pas à être recherche. Mais dans le cas où c'est un quai, où la chaleur se dissipe rapidement et qu'il faut que c'est chaud, il va se dire que c'est maintenant. Ah oui, c'est là. Voilà, il y en a qui veulent expliquer de cette manière-là, mais voir ça dans Rashi, c'est un peu difficile. Et encore, on n'a pas expliqué pourquoi Rashi dit Noten Sonen Behamin. Pourquoi on craindrait ? Parce que Rashi veut dire je crois pas qu'une personne va venir vraiment à cuire. Ben, si tu le vois, lui, que tu t'imagines que lui, il a cuit, pourquoi toi, tu ne vas pas croire ? Bon. Et je l'ai Ayen. D'accord, c'est Rachila et Fatma Ayen Baim. Fin de la Sougia, plus ou moins. Juste, on fait la halakha. Amar Rabba Barbahana, Amar Rabbi Yohanan, halakha ke Rabbi Yehuda. Vous savez la halakha comme qui? Comme Rabbi Yehuda. Simplement, Behamin Asur. Asur, Sonen, Mouta. Amale Rabbi Yosef, Beferush Mi'alach ou Miklalash Mi'alach? Rabbi Yosef, il a dit à Rabba Barbahana, dis-moi, t'as entendu ça clairement de la bouche de Rabbi Yohanan? Ou bien tu en as déduit à travers un principe. C'est vraiment le cas d'aujourd'hui. Hein. Des gens, ils parlent, ils disent des choses. Mais tu l'as entendu ou tu l'as dit exactement? Ok. Mike Lala demande à Gbara, c'est quoi le klal? D'Amar Avtenchum, Amar Rabbi Yohanan, Amar Rabbi Yanaï, Amar Rav. C'est quoi c'est Rav, tu veux dire? Amar Rabbi. Amar Rav. Kol Makom, Rabbi, c'est mieux. Quand ma parce que t'as juste à voir Rabbi Yohanan et Rabbi Yanaï. Quand ma pam shata mosé shnaim holkim ve had machriya, quand tu trouves deux holkim et un il est machriya, alakha ki divrei a machriya. Hous, il y a un cas ou non, on a déjà vu dans Père Chéni, hous mikole matlaniot. Histoire de matlanit là. Ouais. Le torchon. Ouais, le torchon, hasard. Chaque fois que Rabbi Elazar est mahmir, Rabbi Yoshua mikel. Bien que là-bas on a vu que Rabbi Elazar était mahmir, c'est encore mikabel tuma. Et Rabbi Yoshua dit mais les mikel c'est pas mikabel tuma. Rabbi Akiva mahriya. Rabbi Akiva a distingué, il a fait une akhra entre les deux. Pourquoi? Hadat Rabbi Akiva talmidu. Premièrement parce que Rabbi Akiva il est un talmid devant Rabbi Elazar, Rabbi Yoshua. Et Rabbi Akiva le gabé de Rabbi Yoshua comme on a conclu dans la Gemara. Rabbi Akiva, il a changé d'avis, finalement, il s'est rétracté, il pense comme Rabbi Yehoshua. Bon, voilà le clan. Donc, tu vois bien que de ce principe-là, on voit bien que la halakha, elle est comme le Mahriya. Il y a un cas ou non, mais sinon, oui. Ouais, donc c'est comme ça, comme Rabbi Yehuda ici, le Mahriya par rapport à Rabbi Meir, Rabbi Shimon, la halakha, elle est comme lui. Donc, la Gemara, c'est une bonne halakha, qu'est-ce que tu lui veux là? Vim, Miklala, Mai. Qu'est-ce que tu veux, Rabbi Yosef, Rabbi Barahana? Admettons même que c'est Miklala. Pourquoi? Est-ce que tu as de quoi le repousser? Répond la Gemara, dit Ma anemile bimatitin aval bibraita lo. Rav Yosef, il est tohen que peut-être le klal qu'on a, la Biohanan a dit, il est vrai uniquement dans les Mishnayot. Mais dans les Braitot, non. Or ici, c'est une Braita. Et sur ça, il lui a répondu, Rav Barhana, Amarle anabeferush miali. Moi, clairement, j'ai entendu que la lacha, elle est comme. Rabbi Yehuda, tout ça, ils disent, mais pourquoi? Rabbi Yohanan, il a dit que le klal, il est uniquement dans les Mishnayot, il n'a pas dit ça. Mais tout ça, Dilma, anem il est bimajiti la bebraïtano, afalgav de l'or kamar bimishtateno, bien qu'il n'a pas dit le mot bimishtateno. Quand même, pourquoi Rav Yosef, il voulait repousser? Parce qu'ici, on a une Stam Mishnah qui est contre ce principe-là. La Stam Mishnah, c'est quoi? C'est Rabbi Shimon, on a dit. Ouais, Rabbi Shimon, on a dit que c'était Rabbi Shimon. La Stam Mishnah, c'est pas Rabbi Meir? Non, notre Mishnah à nous, notre Stam Mishnah à nous, on a conclu que c'était Rabbi Shimon. Voilà pourquoi ça ne me plaît pas. D'accord? Voilà pourquoi il voulait repousser. D'accord? Explique. Bon, on verra peut-être après comment on explique demain Bezat Hashem, le Tosfot Alakha qui dira Machriya. D'accord? On verra ça peut-être demain. Venez, on fait quelques Tosfot sur la Sugya.
Lequel vous voulez qu'on fasse? Aya. Au Bethilel Matirin. Allez, voilà. Et là, au Bethilel Matirin. Mashma, Dauka le Raglao. Aval le Solar Kolgoufo. Aval le Solar Kolgoufo. Aval le Solar Kolgoufo. L'eau. Quand Bethilel, ils ont permis pendant Yom Tov, c'est uniquement quand tu chauffes de l'eau pour tes pieds, mains, pieds, visage. Mais Kolgoufo, non. Et c'est comme ça qu'on voit dans toute la Sugya. On est mahmir l'eau chaude qui a été chauffée pendant Yom Tov comme l'eau chaude qui a été chauffée pendant Shabbat. Et on interdit aussi la zéra, rentrer dans le bain public, le bain là comme ça pour transpirer. On a interdit Yom Tov comme Shabbat. Ainsi que plus tard. Imken, soit dit si c'est ainsi. Mashma, shasu la sot avara mishum rechisa. Ça veut dire que allumer le feu pendant Yom Tov. Oui, allumer le feu pendant Yom Tov pour se laver le corps entier, c'est interdit. D'accord? Sheim loken, lo ayu gozrim alazia. Sinon, on n'aurait pas interdit l'azia. L'azia, tu l'interdis à cause de la rechisa. Et la rechisa elle-même, elle est interdite. Puisque Zéa, j'ai interdit. Imken, Mashma, Shasula, Sot, Avara, Mishum, Lechisa, Shim, Loken, Loyu, Gozrim, Alazia. Si Lechisa, c'était permis, donc tu as le droit de chauffer de l'eau. Si tu veux, non? Tu as le droit de chauffer de l'eau pour te laver, tu as le droit, tu n'as pas le droit de, pas le droit de Zéa, c'est interdit. Ce serait permis. Si tu m'as interdit Zéa, parce que Behemet, tu vas venir faire, à chauffer de l'eau pour la Lechisa, et ça, c'est interdit. En tout cas, demande, je t'aime. Des maïchna avara de chissam avara de zéa. Des chalim idotak et de mouchahata. Plus tard, on verra que chauffer de l'eau pour la zéa, c'est permis. Alors, je ne comprends pas. Chauffer de l'eau pour la zéa, c'est permis. Et chauffer de l'eau pour la chissam, c'est interdit. Quelle différence? On a une gomara de cette gomara, ça sent que chauffer pour la zéa, c'est permis. D'accord, mais on sait qu'on a interdit la zéa à cause de la rechissa, c'est-à-dire chauffer pour la rechissa, c'est interdit. Alors chauffer pour la rechissa, c'est interdit, chauffer pour la zéa, c'est permis. Maïchna. Ok, ça c'est la question de Tosfot. Vomeri, Beshem Riva, de rechissa, et naël, elle est à nous, parce que c'est un peu plus gmar. De la soule, vekama, de ktubot. Mishum, d'en chavé le chon nefesh. Fakhem, mashma, birushalmi, de imtama, de rechissa, aval zéa, chavé le chon nefesh, d'en atanou, gela, ribriou. Hidouche gadol. On a permis Yom Tov de faire des melachot mashi shavé le chon nefesh. Par exemple, mugmar, c'est les ta'anoug, c'est pas mfunakim, c'est pas permis. Pourquoi? C'est pas le chon nefesh. Le chissa kol gufo, c'est pas le chon nefesh. C'est le mita'angim. Ma din ayom, c'est chez la aval. C'est le mita'angim. Par contre, zéa, ouais. C'est le briout. Pour le malade. C'est le briout, non, tout le monde a besoin, ça renforce les corps, c'est bien. Ouais, c'est chidouche, hein. La briout, c'est ça, c'est permis, tout le monde, c'est s'appelle chavé le chol nefesh. Ouais, dit Tania le kamad melcha, je sais pas que koune kavav me'erem tov le machan nikhna soumezia. Voilà, plus tard, on a vu une braïta. Demain, Blined, on verra une braïta. Melcha, je sais pas que koune kavav. Un melcha, on a bouché les nekavim. Où de là-bas sort la chaleur. On a fait ça, mais elle vient de Mahan, Nichnas ou Mazia. Mais tu m'as dit tout de suite Mazia, et là-bas on parlait avant la Xéra de Hazara. Ouais, mais tu vois, tu m'as dit tout de suite que Zéra c'est permis. Alors pourquoi c'est pas Koko? Ou Adin a fait le Wacham Bobayom, même si on l'a chauffé Bobayom, c'est permis. Et la Nakat, mais elle vient de faire le Hidaf Kamezia, par le Heslo. Pourquoi on a dit là-bas elle vient de pour te dire Daf Kamezia? Mais si c'était le Heslo, elle vient de faire, c'est interdit. D'accord. Ouah. Alors, il y a un Tosfot ici, Tosfot d'avant. Allez, venez, on essaie de faire rapidement tous. Et là, il y a un Reuyin Ishtia. Vous voyez, Tosfot? Donc, c'est quoi Reuyin Ishtia? C'est la question qu'on a posée tout à l'heure. De la Mashma ou de la Gmara, c'est Mashma que Beth Shammai permette de l'eau potable. Reuyin Ishtia, ça veut dire de l'eau potable. Même si c'est pour le corps, c'est de l'eau potable. Mmh. Ouais. Et Ri, il veut exclure cette Havana-là. Il dit non, non, ce n'est pas de l'eau potable, c'est de l'eau pour boire. Tu le fais pour boire. Ce n'est pas tu le fais pour ton corps, mais elle est potable. Ouais. Tu le fais pour boire, et, mais, après, mais tu peux faire avec.
Ouais. Là, tu bois et tu bois avec. Selon Beit Shammai, tu ne peux pas l'utiliser pour autre chose que pour ça. Que pour boire. D'où il sait ça? Mais oui, elle est. Alors, que pour boire. On va voir la prof de riz. On va voir la prof de riz tout de suite. Nira, comment Jonathan? Il dit, elle est que pour boire, mais s'il en reste, tu peux te nettoyer avec. Ouais, bon, ça, tu parles d'autre chose. Mais Beit Shammai, il n'a pas parlé de ça. Et Nakhanami, il reste de l'eau. Sinon, potable. Là, d'accord? Maintenant, moi, j'ai envie de me doucher. J'ai envie de me laver le visage. Je peux ou pas? Je peux ou pas? Beit Shammai, tu ne peux pas. Tu vas chauffer de l'eau pour. Tu ne peux pas. Alors, Nira Leri, d'Avrache Mehamem Otam le Solech Chia. Ne crois pas que la kavana de la Mishnah de la Gemara c'est réouïn apte au potable. C'est pas ça la kavana. La kavana c'est il faut que tu la bois cette eau-là. Tu as un but de la boire quand tu la cuis. Comment je sais ça? Deal et leo mitor. Bon, ici un rabbi qui va guérir, il est dame, il dit c'est pas mitor, ici c'est ouïn. Bon, sans rentrer dans les problèmes, Arashba il dit celui qui n'a pas mitor, il n'a pas non plus ouïn. Et les marchés à la Biarki Vaiger, donc Guillaume Dachas, à partir d'une autre Gemara, comme Maseret Psachim, Aval, sans rentrer dans ces détails-là, ce soit Jiz, Dehalet, Leo, Mitor, ou Beperer, Cheni, Debesa, Asre, Beit Shammai, Medura, Lit, Hamem, Kenerda. Et Beit Shammai, ils ont interdit d'allumer une flamme pour se réchauffer. Bien que, tu peux me dire, mais attends, mais la Medura, je peux l'utiliser, les Vachel ou la Fonte. Ouais. Pourquoi je ne dis pas, oh, il. Puisque je peux l'utiliser pour cuisiner, et je peux l'utiliser aussi pour me réchauffer le corps. Mais ça va être interdit. Donc, ils n'ont pas oui. D'accord? Alors, tu vois bien qu'ils n'ont pas oui. Puisqu'ils n'ont pas oui, alors je ne te permets pas de te laver le corps, que pour boire. Véod, Omeri, deuxième preuve, Jiri. Demeachan ami yesh de dakdek. Deisharu bechamay le solech rechissa. Mishum de reoim shtia. Imken lo atcha matitin afilo ke bechamay. De katane va surin birhisa ou mutarin bishtia. Ou mi de kamar ou mutarin bishtia. Mikla de roim bishtia. La filoachi katane de surin birhisa. Et la wadai, lo charo bet shamai. Et la kishia ose le sorech bishtia. Rigi, tu sais, j'ai même pas besoin d'un autre mekor pour te prouver cette idée-là. C'est de mutarin bishtia. Même dans notre gmara à nous, je peux te montrer cette idée-là. Pourquoi? Parce que. Admettons que Beit Shammai permet l'eau potable. Ouais, elle est potable. Dans notre Mishnah, on a bien dit Beyom Tov, Mutar Bishtiya, donc c'est une eau potable. Et on a dit quand même Asurin, Birchisa. Pourquoi? Mais c'est de l'eau potable. Pourquoi Panav Yadav Velarlaou? Tu m'interdis? C'est de l'eau potable. Mukhrah, que ça ne dépend pas de potable ou pas. Même si elle est potable, je te permets que si tu cuisines, tu la chauffes pour boire. Si tu la chauffes pour te laver le pied, les mains, la tête, c'est interdit. Et c'est pourquoi la Gemara a dit, ah, la Mishnah, c'est Beit Shammai. Sinon, même la Mishnah, c'est pas Beit Shammai. Voilà, deuxième preuve de riz. Wow. Ok, venir à les riz, ça, c'est un autre point. Ce soir d'avant, et là, Pana Gada Velarla. Vous voyez, ce soir d'avant, là. Alors, tu vas finir par faire les tours. Bon, tous les tours sont faits. On prend 5 minutes, on finit tout. Et là, pendant le temps de l'arlam, mais il faut que le joueur soit en forme. Ouais. Ah. À quoi la Yaya Yachol? À quoi la Yaya Yachol et d'Abdek Misefa? De Katane Beyom Tov, Kehamin Sheohamu Beyom Tov. Il y a marre Hissat Kolgoufo, Aohamu Merem Tov Shari. Enfin, qu'est-ce qu'ils veulent de Tosfot ici? Tosfot, ils veulent dire comme ça. Ils veulent dire, la Gemara, tu as utilisé la Recha pour dire qu'on ne parle pas de Kol Goufo. On parle de Panav Yadavelalav. Après, tu as utilisé la Sefa. La Recha, elle parle de Shabbat et la Sefa, elle parle de Yom Tov. Tu as utilisé la Sefa pour dire, tu sais de quoi on parle dans la Sefa? Si on parle de Panav Yadavelalav, la Mishnah, c'est Beit Shammai. Tosfot dit, mais je n'ai pas besoin de la Recha et la Sefa. Tu peux prendre que la Sefa, tu montres tout. Ouais. Bon, Tosfot, ils vont répondre. C'est pas grave. Tout ce qu'on peut être médaillère de la Recha, on essaye d'être médaillère de la Recha. D'accord? Ça va être sa réponse. Maintenant, question, comment on peut tout apprendre à partir de là, de la CFA? Ouais? Comment on peut tout apprendre à partir de la CFA? Ça, c'est la chaîne, là. Alors, on y va.
Regardez ce qu'il se soit. Akol ayachol et d'abdak misefa. Dekatane biyom tov ki hamin shiu hamu biyom tov. C'est à cuisiner pendant yom tov. Ilima rechisat kol gufo. Si tu me dis que tu es en train de m'interdire le lavage de tout le corps, ou hamu biyom tov, chari. D'accord. Si c'est cuit, puis si ça cuisine pendant yom tov, alors c'est permis. C'est parmi tout le corps. Pourtant là-bas, plus tard on verra qu'on a interdit le chissa biyom tov tout le corps. On a vu là-bas, on verra plus tard que transpirer tu peux, mais te laver non. Mais même shtifa là-bas, c'est parmi bébé tachisson uniquement. Et là, derrière chassas, ma chère, on est dardek, mais le chame est dardek. Ok. Bon, la vérité, la couchette, de toute façon, elle est un peu difficile parce que de la CFA, j'ai besoin des enseignements plus tard pour pouvoir prouver. Alors, prends le recherche chez nous. Pourquoi tu cherches. Ok. Ça, j'ai pas bien compris chez toi. Très bien. Il m'a envoyé un message. Non. Pardon. Il y a quelqu'un qui veut faire une lecture de tout Vayikra pour ceux qui n'étaient pas là à les Shabbatot. Sikra lui-même. Non, pourquoi pas, mais bon. Allez. Moi, je dis, moi, je vais. Blineda, je ne ferai pas. Ah, il vient au mieux cacher les Rashba. Des Migoufa, des Matitin, avec Massi, les Midak, Beloach, Braïta. Des Maïch, Midiakatane, Vassourin, Bishtia. כל שכן פנאב ידא ורגלא ודא אסיר. Voilà la question de Tosfot. De Rashba. Rashba, il a une question. Il a dit finalement, tu as eu besoin d'une braïta pour me dire que panav yada, une Mishnah d'ailleurs, pour pouvoir prouver que panav yada verla, c'est difficile, sinon c'est Bet Shammai. Je crois que c'est ça la kavana. Et dit Rashba, il dit des migufa des matitin avec masil et midak. Belo ach braïta. Non, la braïta, de quelle braïta on parle? Qu'on a posé la question par rapport à la braïta. La tania, hamin shiochamu me'erev shabbat li mahar rochez ben panag adav erla wa valo kol gufo. Vous voyez? Voilà. Kol gufo, c'est pas permis, kol gufo. On met au cachet de l'ashba, des migoufa, des matitines, avec masir et midak, belo achbraïta, des maïti, midekatane, vasurin bishtia. Puisque tu m'as dit que c'est interdit de boire. Donc, quand je te dis interdit la rechissa, de quelle rechissa je parlais? Ben, peu importe. Que ce soit la rechissa de kolgoufo, même la rechissa de panavyadavarla. Lorsque Shabbat, je t'ai interdit, Shtiya, Kol Sheken, Kol Alechissa, dont je t'ai parlé, c'est aussi Panag Yadavarala. Donc ça sortirait comme ça. Ça sortirait que Panag Yadavarala, c'est interdit. Et après, et donc dans ce cas-là, quoi, Yom Tov, c'est permis. Et donc, je n'ai pas besoin de la Braïta. Oui, le but de l'Ashba, c'est que je n'ai pas besoin d'une braïta pour ça. Pour arriver à Panav Yadav Ragla, je peux l'obtenir à partir de la Mishnah elle-même. Moi, j'ai utilisé une braïta pour dire « Ah, tout le corps !» Mais tout le corps, il y a une braïta qui me dit que c'est interdit. Ouais. Même si c'était la veille. Ah, question de tout ça. Allez, on peut dire « Mais attendez, quoi ?» Au lieu de la porter. Exactement. Au lieu de faire la tania, la prochaine. Mais même tu vois, puisque c'est interdit les ishtiya, donc c'est sûr que c'est interdit même panav yada verlav. Donc l'echissa, c'est même panav yada verlav. Ça y est, t'es arrivé déjà à la fin. T'as pas besoin de braïta. Très bien. Allez, encore un petit osot. Ben Behamin Ben Besonen. Il est 23h21. Hein. Allez, on s'arrête là. Allez. On est plus à sa paix. Hein. Allez, Baruch Adonai, il est en lave. Amen. Tu connais l'histoire de Saint-Paul. Hein? On était en Russie.
hein, tu connais, il était en Russie. Ils ont dit de il fallait qu'il soit de garde Shabbat. Il avait un grand manteau. Alors chaque le Cosaque encore avait. Encore cinq minutes. Alors il a dit je peux encore une minute. Il a resté toute la nuit. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Dès l'instant où une personne se donne une limite proche, accessible, ouais, ça l'encourage à pouvoir faire encore d'autres, de repousser ses limites. Bon, alors peut-être on les fera demain, peut-être vous les faites tout seul, on verra. À 3h15. J'ai 3h15 à peu près, 3h15, 3h30, j'imagine. Mais ça, c'est d'accord. Hier, on était 5 semaines.